a dozen roses, doses. Oh,
up in the clouds, but I'm better off on the ground. So I said la-di-da-di-da, oh la-di-da-di-da-da. Back in high school, man, I got lost in the grass. I couldn't find a path, gotta make one. Girl came in my life in her heart like a Kit Kat. Find one, might as well break one. I was lost in my feels, I never found pills. Like Kodak Black, I'ma take one. I had dreams of a mill, I thought weren't real. I forgot that I really had to chase. So I said reasons, we get higher when shit gets slow. Some days I would hate breathing, wait for the day that I get to go. I don't believe in believing everything that they selling me. I got secrets I'm keeping, trust the risk and it's never cheap. Oh, I say we got shit we're getting through, the shit we can't get around. So we said la-di-da-di-da, oh la-di-da-di-da. I said I wanna be up in the clouds, but I'm better off on the ground. So I said la-di-da-di-da. Other girls, they jealous and mad, they helpless, so sad. I'm trying to forget it. Now you bring the fire, I bring the heat. You give me everything that I need.
It's not on and off no more, like it's always been before. You bring the fire, I bring the heat. Play the music slow.
Allez, on commence à avoir l'habitude, on va profiter des derniers instants d'avant-match pour faire un petit résumé des matchs cast sur ma chaîne durant le play des 7. Et on commence directement avec le groupe A de la division major avec le match qui a opposé les Soulsers eSports face au Wespel. Et l'enjeu de cette rencontre pour la structure belge des Soulsers eSports était de recoller à la première place tandis que pour les Wespel, on avait besoin de plus de points pour se sécuriser le podium synonyme de qualif en upper bracket. Et c'est dans une rencontre importante que les Wespel seront pris rapidement l'ascendant sur ses défenses sur Clubhouse avant de concéder l'overtime. Malgré tout, les Wespel remportent au bout du bout la rencontre sur le score de 8 à 7. Ça va être compliqué. Opta, faudra qu'il soit solide avec son shotgun. Opta qui va se regretter, qui va faire tomber Skaza derrière Opta. Non, Nolf, si Opta, nouvelle fois 1v2, il reste plus que Nolf. 1v2 et les deux Opta. Sur ce dernier round solide avec son shotgun, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé dans, en tout cas, dans le scoreboard. Attention, pas trop tarder. Est-ce qu'il nous reste encore des grenades dans les poches? Non, on a plus de grenades pour Psy 4. On sera obligé d'y aller. Le couteau entre dedans. Oh, on va dropper Didi qui va mettre une très belle tête sur Anfried et on va rester à ses Skype. Didi pour faire un double kill et remettre une tête sur Psy 4. On va avancer dans cette longue pour Opta. Il va se faire bien récupérer par Sky et derrière Didi pour aller en terminer sur Anfried. Et on va aller en overtime. Ouais, Opta qui va droner, derrière on va direct s'insérer pour Nolf et Nolf qui va tomber sous ses balles. 3v2, avantage pour les Wespel sur cette défense, il est peut-être pour rechercher une revenge. Non, Opta pour décrocher une énorme tête sur Sky. Il reste plus qu'Ileo, un escamain, 1v3, 15 secondes de la fin. Et les Wespel qui vont peut-être rester à conclure en overtime. Il reste plus que 10 secondes avant de remporter ce match. Ileo qui va se présenter, qui va faire tomber un premier joueur, Psy 4, mais derrière on n'a pas le désamorceur. Et Oldie pas en dessous avec son C4 pour sécuriser le round aussi. Et la victoire des Wespel à l'issue de ce match au bout du bout. Allez, on enchaîne sur l'autre journée de ce groupe A division major avec les Imperial Legacy dernier au classement face au premier, les NACL Gaming. Et c'est au bout d'un match ouvert que la hiérarchie du groupe a été respectée. Le joueur NACL Billy conclut le match sur un clutch 1v3, remportant ainsi la rencontre 7 à 4. Rappelle. Oh, je suis fixé, il va se récupérer par Kyoji, on reprend l'avantage numérique, mais attention à Seko. Il s'est avancé, un point T qui est aux portes de cette gaming. On va avancer, on va se récupérer par Nagara, il reste plus que Billy. Nouvelle fois, 1v3. 1v3, 30 secondes. Oh, on l'a vu, on va faire tomber Kyoji. 1v2, 30 secondes, Billy. Un peu de timing, ça veut dire. Ah bon, ok, derrière cette bombe. On n'a pas le désamorceur en plus. 20 secondes, attention, pas trop tarder. Oh, Billy va récupérer Yuta. Billy, 1v1 maintenant pour aller en terminer. Et ça serait peut-être le clutch de la victoire pour Billy. Il va y aller. Il entend ce joueur. Il sait à peu près où est-ce qu'il est. Il va y aller. Et il va aller en terminer. Billy pour terminer sur un clutch 1v3. Et ouais, c'est la victoire sur ce clutch 1v3 de Billy. Allez, on termine ce petit résumé avec la Major D. On s'est affronté sur Villa entre les Européens d'Astia et les Français d'Aouned. Malgré une bonne entame des Européens, les Français n'ont rien lâché, allant chercher une victoire au bout du bout sur le score de 8 à 7. On va s'insérer pour Psychose, on va y aller, on va faire tomber Fear. Non, Fear qui va le faire tomber. On perd le désamorceur par la même occasion derrière Mitralix pour faire tomber Joke. Par Sky pour aller chercher Mitralix, 3v2. Un montage numérique. Pour les Aouned. Ouais, Pascal derrière qui fait tomber Teddy. Ici, on va se montrer dans les balles. Defi, reste plus que Pascal. 1v2. 15 secondes. Il peut aller le faire. Il va chercher. Non, Samy. Pour aller le bloquer. Et on va reprendre le break. Oh, supériorité numérique derrière. Jock. Joueur d'escamel. Shrek pour faire tomber un premier joueur. Shrek pour faire tomber un deuxième joueur. Non, c'était le réplicateur Jimmy. On fait tomber le désamorceur. Il est à terre. Samy qui va tomber sous les balles de Jock. 3v2. Pourquoi pas. On a un joueur en contact. Derrière cette porte, non. Jock, pour aller chercher le rappel de Mitralix. Ouais, Jock derrière Shrek pour faire tomber Teddy. Et Shrek pour faire tomber Leoni. Mais quel 2v5 qui viennent de mettre les Oned. C'est compliqué, hein. Compliqué l'insertion. On a du mal à se toucher entre les deux joueurs. Et on y va vraiment au forceps pour les Astilles. On veut vraiment déloger cette défense. Et Antique pour aller découper Fier derrière Shrek pour faire... un kill sur Neoni. 5v3 avantage numérique. Shrek une nouvelle fois pour faire tomber Teddy derrière Mitralix pour aller faire tomber Psychose. Samy pour faire tomber Shrek. Jock sur Samy, ça part un peu dans tous les sens. Et Antique pour faire tomber Mitralix. Et on va remporter ce dernier round au bout de bout pour les Oned. On a défendu, sa défense étendue jusqu'au bout.
vous l'avais dit, on voulait aller à la guerre et on y est allé remporter ce dernier round. J'espère que vous avez aimé ce petit rewind. On va se retrouver pour le prochain match. Portez-vous bien, RC6 Live. De ce joueur espagnol perdu le round d'avant et Kaya qui va agresser encore le joueur thermite, le cut qui passe sur ce joueur Lonely et le préfire derrière qui ne passe pas. Il reste plus que Zerg avec cut et Kaya trop chaud tout simplement. Oh Billy, on récupère un peu kill sur Kax, voilà. Dommage derrière Kinas qui va faire tomber Arctic, on n'est pas du tout dans son match pour LFO. Kalash quand même qui va aller revenge. Chercher revenge sur Kinas et Kalash qui va faire même un énorme double kill pour aller faire tomber Billy. Le joueur en forme côté Athènes. Oh ce push imminent, mais Archer a la même chose qui vont complètement détruire l'attaque. Archer, double kill, Iron et Archer. Oh là là Oh oui, et le beau travers de Tigral sur Tsukli, on l'avait vu ce joueur. Il sera mis sous pression. Attention, après son palier sur Ventrix qui a des cross et ouais. On prend un premier kill sur Return, un deuxième. Pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ce soir, on se retrouve sur un nouveau match. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Solaire Sonic. Comment vas-tu, mon cher Solaire? Impeccable, et toi? Salut. Ouais. Tranquille. N'hésitez pas à faire un petit retour son pour voir si la voix de tout le monde est bien ajustée. Je vais t'augmenter un peu, je pense. Ça devrait être bon. En tout cas, ce soir, on va retrouver une équipe française, les Gen Z, face aux Allemands d'Ice Beast. On va directement faire un petit tour sur la présentation des équipes. On va commencer
Du coup, avec la composition des Français, on va jouer avec Suyo, Rico, le coach Babizi, du coup, qui passe en tant que joueur. Arcos, TMTC et Chambon, Polo est passé sur le banc. Côté allemand, on va jouer avec Kiwi, Snoopy, Talgreen, Panic et Dennis. Pas Ludrim, toujours sur le banc. Et Selit, lui qui est repassé sur le banc, donc. Est-ce que tu connais plus ou moins les équipes, mon cher Sony, avant de passer au classement? Alors, la dernière fois, on avait cast Gen Z, où on avait eu, je crois que c'était une game sur Villa. C'était intéressant, c'était serré, mais il y avait eu des beaux rounds, des belles insertions. J'attends de voir sur ce match et sur les nouvelles maps qu'on aura. Et du côté des Ice Beast, je ne sais rien du tout, et j'espère qu'ils vont me surprendre. Ouais. Côté Gen Z, du coup, on a fini deuxième de son groupe juste derrière Cerise eSports. Ça s'est joué au round d'avérage. On a fini tous les deux avec 17 rounds. D'ailleurs, c'est bien serré aussi avec Team Solid avec 16 points. Excusez-moi, je m'étouffe. Ça va le faire. Et côté allemand, on a fini troisième, pareil, dans un groupe assez serré avec les Polonais qui ont dominé l'ensemble de ce groupe stage avec 21 points derrière les Espagnols de Woken Mixers. Ont pris la deuxième place. Et les Allemands, à la troisième place, je me souviens, je les avais cast pour le premier play day, c'était face justement aux Espagnols de Woken Mixers, et c'était un match très serré, très sexy, c'était sur Chalet. Et du coup, ce soir, on va faire directement un petit tour sur le bas de map pour voir sur quelle map on va jouer. Côté Gen Z, on a ban Theme Park, Chalet, on a Peak Sky, pour ensuite ban Border. Côté Ice Beast, on a ban Villa et Bank, on ira donc sur Noregon. Sky, Oregon et Club en Decider. À quoi peut-on s'attendre, mon cher Sony, sur la première carte Sky? Sky, je vois pas trop. Bon, je pense qu'on va rester sur du assez classique. On va peut-être partir sur la Kitchen. C'est un bomb site qui a l'air intéressant à jouer. On a pas mal de verticalité. On a un jeu en équipe qui peut se créer avec une tenue des salons, des différents salons, de la réserve. Ça peut être intéressant et surtout j'attends de voir les attaques qui nous seront proposées parce que côté défense ça peut être un petit peu plus facile de s'adapter. Et on a tellement peu de Skycreeper que j'attends de voir ce qu'on va nous proposer, ce qui va être joué par exemple en perso. D'attaque ou en perso de défense, puis on verra bien. Ouais, on verra bien. C'est vrai que Sky, ça va être la première fois que je vais la cast. Je vais checker si on l'a joué pour les équipes durant le groupe stage. On va faire un petit tour. On va profiter pour faire un petit tour, en tout cas, voir sur quoi on a joué pour les Gen Z tout d'abord. Côté Gen Z, on a joué Villa, Café, Oregon Chalet Club. On a gagné deux fois Villa. On a gagné en overtime Café, Oregon la lose, Chalet on l'a perdu en overtime, et on a gagné en overtime Clubhouse. Donc en soi, les deux maps qu'on va jouer, on a joué Oregon Club pour Gen Z, on a perdu Oregon, et Club en Decider, on la win. Sky, ça va être la grosse surprise. Côté SBS, du coup on a joué Chalet Oregon, Chalet Club. On n'a pas fait énormément de matchs. Du coup, sur Chalet, on a lose à chaque fois. Mais de toute façon, ce soir, on ne va pas le jouer. Oregon, par contre, on l'a gagné 7-0 et 7-3 face à Anime et Fox Up et Sport Green, respectivement. Avant de s'incliner une nouvelle fois 7-3 face au Fox Up et Sport Green. À voir. Clubhouse, on s'est incliné 7-3 face au Polonais de Sky Sport. À voir. Ouais, à voir. Ouais, intéressant. Ouais, parce que du coup, on est sur. Et sur deux maps pas forcément maîtrisées par rapport aux résultats, donc est-ce qu'on les aurait peut-être travaillées et de créer de l'anti-jeu sur les quelques games qu'on a pu castes. On attend de voir ça, puis on va pas tarder à lancer. Ouais, les équipes qui rentrent petit à petit, le lobby. Bah nickel, merci Zach. Oula. Erkzen, je sais pas comment on prononce ton pseudo. En tout cas, on a 3 minutes de décalage, mais en tout cas, merci d'avoir fait un petit retour de son. Normalement, ça devrait être bon. Et Rosen.
Erosen, ouais, peut-être. Erosen, ça peut être mieux. Mais ouais, du coup, côté... Ouais, côté joueur, on n'attend plus qu'un seul joueur, c'est un joueur allemand, côté Ice Beast. À voir, je vais aussi vous lancer, pourquoi pas, une prédiction sur le live. N'hésitez pas aussi à sortir des pronos dans le chat, voir qui allez vous gagner. Bah, dire ce que... qui sera potentiellement vainqueur à l'issue de ce BO3 ou même de chaque carte. N'hésitez pas aussi à supporter votre équipe tout simplement. Et puis hop, les joueurs ont rejoint le lobby. On va faire un petit check-up si tout le monde est ready. J'ai lâché mon meilleur sub. Bah, merci à toi pour le sub, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Allez. Je paye une bière. C'est cadeau. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Allez. J'aime bien. Bon, allez. Alors, on est ready. Sky. Ouais, on est ready pour les deux. On va vous lancer sur la scène. On va couper la musique aussi. Par la même occasion. Et on est parti. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans le chat. Petits enfants aussi. Si vous regardez potentiellement le live. On est parti sur Skyscraper entre les Gen Z et les Ice Beast. Gen Z à la défense et au premier ban donc. Qu'est-ce qu'on peut voir du coup comme opérateur ban sur... C'est une Ibana où on va peut-être rester sur un ban assez classique, le petit Thatcher. Ouais, voilà, ça sera Thatcher du côté des Gen Z. Maintenant, ça va être du côté des Ice Beast à ban. Qu'est-ce qu'on pourrait ban? Peut-être une... j'ai un doute si elle est open, mais Inosa peut-être. Ça peut être embêtant sur l'insertion. Ouais, Oza pour les fenêtres, autorisé, on en a ouais. Beaucoup. Et non. Ça sera Flores. Ouais, Flores qui est fort pour l'anti-stuff, en tout cas, avec ses drones explosifs. Côté allemand, généralement, on a ban soit de la Kaïd ou de la Valkyrie à voir. C'est vrai que Valkyrie, elle peut être quand même assez forte sur une Sky, avec pas mal de recoins. Non, on va se ban Mira, quand même, opératrice d'information comme Valkyrie, mais qui est quand même assez metabreaker. Mira, qui sera sorti pour les Allemands. Côté français, on va aller se ban. Potentiellement, la Valkyrie. Voilà, les deux opérateurs à formation qui vont être ban. En plus, côté Gen Z, on avait potentiellement... On a surtout ban Mira dans ses derniers matchs. Du coup, on est parti sur ce match. N'hésitez pas à soutenir votre équipe dans le chat. À sortir les Let's Go Gen Z et don't forget to support your team if you are for Ice Beast. Et on est parti, on va directement partir en Exhibition Room Office, mon cher Sony. Ouais, on va pick une Frost, pourquoi pas. Ça sent la strat, on va placer les pièges à l'insertion, on va essayer d'empêcher ce racal d'aller chercher les roamers. Et du côté de l'attaque, on est sur des persos très assez récents. On va partir sur un 0, une Osa. Et on va bien voir ce que ça va donner. Et oui, au final on va rester sur un bomb suit assez classique du côté de Skycreeper, enfin du moins de l'ancienne Skycreeper. On va rester au top et on va partir sur cette phase de défense avec un Kaïd, un Jaeger. Alors la Thunderbird qu'on voit pas assez souvent je trouve à mon goût. Un perso qui a une arme qui ne bouge pas trop, on a les gadgets, on a un C4. Est-ce qu'on va pas tenter une agression directe d'entrée de jeu pour Blizzy? Et ça Thunder? Ouais, ça va être ça, on va directement aller chercher peut-être un C4 potentiel. Mais il ne donne rien, on a personne qui a spawn de ce côté. Allez, insertion pour les amants. Où est-ce qu'on s'est inséré? Ouais, on s'est inséré de ce côté avec Snoopy notamment et sa Zofia. On va directement s'encorder pour aller chercher potentiellement la Geisha. La Geisha qui était, ouais, qui a été renforcée et tenue, on va dire, de loin pour TMTC avec sa Frost. Ça va être l'ennemi numéro 1 pour la S-Beast. C'est vrai que la Geisha maintenant, avec cette ouverture jusque, on va dire, à la salle tambour, elle peut être beaucoup plus intéressante à jouer. Oui, on peut avoir. On a à disposition des grandes lignes. Puis on a pas mal. On a des nouveaux murs aussi qui peuvent être. Aïe aïe aïe, j'ai du mal. qui peuvent être
qui peut être cassé. Ce sera plus facile. Ouais, on est en sûr. Ouais. On sera orienté un petit peu. Du coup, des Allemands. On va aller chercher le stuff par en dessous. On va essayer d'ouvrir ce mur. Voir. Elle est de l'autre côté. Ouais, il y a le Trugriff qui est de l'autre côté, qui est bien protégé. Et derrière, on voit aussi même Kaitrick avec Chambon. On va jouer avec les attaquants, mais malgré tout, Kiwi va rester à Bridge à ouvrir ce mur en office. Oh, quoique. Est-ce qu'on s'ouvre sur une ligne Non, on a bien Kaitrick. On pourra pas rentrer par ce mur. Et Blizzy qui va aller se agresser sur une position en rappel. On va pas rester à le récupérer, Blizzy, par contre, qui va être attendu dans ce main, sur sa gauche. Ouais, sur son flanc, c'est le Jackal Denis qui va aller le récupérer. 4v4, une minute de jeu. Les Asbis qui ont du mal à prendre le contrôle map. On a eu du mal aussi à Bridge, mais... On va arriver sur une attaque assez frontale. Et on a le Ace qui va faire tomber Chambon, on fait tomber le Kaïd sur le bomb site. Et on est un petit peu... à découvert sur le bomb site, on n'a plus qu'un défenseur. Ouais, qui est Arkoz. Arkoz, mais attention aussi à TMTC au loin dans sa Geisha Suyo. Aussi avec un C4 potentiellement qui peut descendre. On a toujours Denis qui va remonter et panique toujours. On est en contrôle du rez-de-chaussée. On s'est replacé pour Arkoz et on s'est inséré. Non, pas du tout. Pas encore. Arkoz qui va être mis sous grosse pression sur son flanc. Les 30 dernières 18 secondes, il va nous rester. Ouais, TMTC qui va se débarrasser de Denis derrière Arkoz qui va faire tomber un premier joueur. Ouais, il va faire tomber Kiwi. Et on va s'insérer Arkoz pour terminer sur Taldrin. Pendant que Suyo, il me semble, qui a fait tomber le dernier joueur. C'était panique. Défense solide, on va dire des Gen Z. Côté SBIS, on a réellement eu du mal à s'insérer, en tout cas à imposer son tempo. Ouais, on a été assez frontal, on a laissé les défenseurs se replacer, on n'a pas du tout essayé d'aller déloger TMTC avec sa Frost du côté de la Geisha, et puis on est tombé tout simplement sur une bonne prise de ligne, et on s'est fait avoir par le temps, et ça permet au Gen Z de gagner le premier round, et 1-0 du coup, et on va se diriger... sur le bomb site assez phare du côté de la Geisha. Ouais. Et on va prendre une Mélusie, ouais. Mélusie à la place de la Thunderbird. On va aussi sortir un Aruni pour avoir un maximum de deny de stuff. Pour couvrir un maximum la Geisha, je pense. Aruni, pas de Wamai, par contre, on... On va sur un duo anti-stuff, la Mélusie comme t'as dit qui est sortie, et derrière Chambon sur son mute pour empêcher le droning Suyo toujours avec son Kaïd. Côté attaquant par contre on va changer la Zofia pour un Sledge pour Snoopy. Et toujours insertion côté ventilation pour les Allemands, on s'en sert vraiment au pas de course pour la composition allemande. On va aller chercher premièrement cette Geisha. Ouais, bah on va repasser ses frontales. Ah, quoique, ouais, on va peut-être passer par la kitchen. Histoire de prendre un maximum d'informations et déloger les roamers. Peut-être même aller chercher une grenade par en dessous. Ce qui permettrait de sortir la ronie. Mais attention, on a une ligne. D'au-dessus. TMTC. Et on va chercher. Une bonne ligne de TMTC, malheureusement on n'a pas réussi à récupérer l'insertion rapide du Jackal. Toujours les mêmes lignes par contre pour Suyo. Voilà qui va aller récupérer Panic. Est-ce qu'on s'était inséré? Non, c'est, il me semble que c'était sur la verticalité qu'on est tombé pour Panic. Très belle ligne de la part de Suyo. On fait tomber Light par la même occasion derrière Arkoz qui va faire tomber Talgreen. On s'empale un peu pour les Asbeast. On se prend une double ouverture. Pour l'avantage numérique assez rapidement, 1 minute 50. Et on y va un petit peu au forceps, on n'a pas trop d'informations, attention au duel. Entre Snoopy et Blizzy qui va partir se replacer. Et on joue assez safe, malgré le 5v3. Le principal c'est de tenir cette Geisha. Ouais, et puis on a des bons cross avec Suyo, s'il est pas mis sous pression on va dire dans ce tambour, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué, on est... On va aller du coup, Rota pour Kiwi. Denis, où est-ce qu'on est pour Denis? Oh, et Denis, justement, qui s'est inséré en escamaine, qui va faire tomber Blizzy. Denis, pour potentiellement notre duel avec Chambon. Non, on va reculer. Il faut tempo. Erzand, que c'est Might arrive. On est passé aussi également pas en dessous pour Kiwi et Snoopy. Mais attention toujours à Suyo dans son tambour. Ah, une minute de jeu, 4v3, toujours avantage numérique pour les Français. Ouais, 4v3, on a Denis qui est assez low, ça peut peut-être faire la différence. Et attention à la verticalité, on voit pas la tête et on la voit et on voit de choc. On aurait pu reprendre une égalité. La tête qui va pas passer, du coup on va vraiment forcer une grosse rotation pour Denis. On a besoin de monter quelque part, on va passer potentiellement par ce dragon. Denis au port du BP. Attention, on a Suyo sur son flanc qui est repéré, qui a mis quelques dégâts. Première fois, Denis qui va se faire découper par Suyo on fire avec son Kaïd. 20 secondes de jeu. Ouais, on fait rotation sur rotation, on trouve pas les solutions côté SBC, on va se faire découper sur le flanc par Chambon. Il reste plus que Snoopy, 1v4, à 9 secondes de la fin, on va pas essayer à prendre TMTC. On va être bloqué dans cet SK. Et on va même se faire chercher par Chambon. 2-0, le break qui est une mi d'entrée de jeu pour les Français de chez ZNZ. Ouais, on a une belle défense. On est resté strong sur site. On a Suyo qui vient chercher le premier kill assez rapidement. On prend l'avantage et puis on a tout simplement déroulé sur les informations, les prises de ligne. Et plutôt intéressant cette verticalité au niveau de l'escalier, qui ressemble un petit peu à celle de Villa au niveau de l'astronomie. Et on va tout simplement chercher les joueurs qui viennent s'y insérer. Et c'est dommage, du côté des Allemands, on n'arrive pas à sanctionner les petites erreurs. Et ça coûte cher. Et du coup, on vient s'incliner sur ce round des GNZ qui mène 2-0. Et on va repartir sur une défense du côté des GNZ. Du côté de la chambre. Et on va avoir un gros travail sur la verticalité pour ce bomb site. Ouais. Pour revenir sur le round précédent, même sur les deux premiers rounds, côté allemand, on a vraiment du mal, en tout cas, à attaquer la Geisha. On l'a vu, premier round, on a direct abandonné. Deuxième round, on s'est, on va dire, empalé à une fenêtre. Et pourtant, on a bien joué par en dessous. Potentiellement, le plancher il est aussi destructible depuis ce stock. On peut tenter des grenades par en dessous, même si on a des endroits avec un sol dur, non traversable, on va dire transperçable, pour se mettre safe pour un défenseur. Mais on a d'autres solutions, même pourquoi pas Rota dans le dragon qui a été joué, mais vraiment en très light pour Denis. À voir comment les Ice Beasts vont attaquer justement ce BP. On va tenter pourquoi pas une nouvelle fois un truc assez frontal, justement avec le Maverick Epic pour panique. Et Nomad aussi qui a été prise pour Talurine. Est-ce qu'on va faire un contrôle map également? En tout cas, on a besoin de faire un contrôle map. Comme tu l'as dit, la verticalité est très importante. Oui, on va s'insérer un petit peu de chaque côté. On veut essayer un contrôle map, mais on va s'insérer, j'ai l'impression, en 2-2-1 un petit peu. Et attention, premier duel. Première balle qui vont être échangées. Et peut-être que si du côté des Ice Beasts on arrive à prendre l'entry kill qu'on n'a pas eu depuis tout à l'heure, peut-être faire la différence sur le round. On attend de voir ça et on a inséré du côté de Denis dans le lockers. On s'avance, on est déjà contact au bomb site. Est-ce qu'on peut récupérer une petite tête? Non, mais par contre, ouais, c'est vrai que on n'a pas de verticalité jusque. On va dire, c'est. Cette delivery. Comme ça, puis attention à TMTC du coup qui s'est replacé. Mais on va peut-être faire quelque chose de frontal pour l'Ice Beast de ce côté. Côté sud de la carte du coup. Ouais, grosse phase de tampon. On essaie d'entourer petit à petit les défenseurs. Pourquoi pas les sanctionner sur des erreurs. Mais côté GenZ, on est très bien dans son match aussi. On se montre pas très solidaire avec des bons cross. Ouais, Talurin justement qui va aller faire tomber Suyo. Par contre, ouais, il en a pris l'entrée kill. Dernière minute de jeu, attention.
Parce attention, c'est Tobi qui tête à lui. Le tête, attention, Chambon qui prend des dégâts. Est-ce qu'on va pouvoir aller le finir? Et t'as Green qui va faire tomber Blizzy. Et on prend la double entrée du côté des Allemands. Et Denis qui va faire tomber Chambon. 4v2. Ouais, c'était un trade entre les deux joueurs. Derrière, Koz qui va être sous pression dans ce main. Il va tomber sous les balles de Snoopy qui a fait un bon travail depuis son dragon. TMTC qui se retrouve seul sur site. Il va découper Snoopy. Mais Talgreen à la revenge. Voilà, côté allemand, on a réussi à mieux comprendre, on va dire, le setup défensif, à mieux entourer, en tout cas, cette défense. Et on a mis de la pression petit à petit. On a récupéré des horaires et ça a déroulé. Ça a déroulé pour les Allemands. Ouais, on a eu un bon travail. On a eu un bon travail au top. Cette fois-ci, on a pris le temps. On a drone, on s'est inséré derrière les drones. On a eu un petit peu une attaque en deux temps. On a du côté de Denis, on s'est avancé par le Lockers, par la Kitchen, par le Lockers. Puis on a pris le flanc du bomb site. Et après, on s'est tout simplement inséré au top. On a pris le contrôle des trappes et ça a déroulé. Et ça nous permet d'avoir un beau match et de casser ce break. Et du coup, on a toujours 2-1 pour Gen Z, mais on remonte du côté des Allemands. Ouais, 2-1 pour Gen Z. On va reprendre du coup cet office et. On l'appelait comment cette salle? C'était Samouraï. Je sais plus. Ici, en tout cas, c'est Exhibition Room. Et bref, on reprend le premier bomb site qui a été gagné par les Gen Z avec la même composition, le même caïd. Est-ce qu'on a compris comment. On va dire comment s'adapter côté allemand. En tout cas, le Maverick est toujours dans les mains de Panic. Peut-être que le Maverick va être la solution pour contrer le Kaïd. Attention à sur-agression de la part d'un joueur en terrasse, notamment. Oui, du côté Snoopy, on a pris une hache. Aussi. Qui est de moins en moins un pic, mais pourquoi pas un pic intéressant. On va essayer d'aller chercher le stuff. Il crée des ouvertures. Ouais, Blizzy toujours agressif. Ouais, avec ça, toujours agressif, ouais, comme tu l'as dit. On va prendre le premier kill. Et depuis tout à l'heure, quand on prend le premier kill du côté des Gen Z, ça passe. Donc attention pour les Allemands. Et on va venir ouvrir ce mur. Ah, on va peut-être même envoyer une grenade. Oh, 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 ouais. Oh, attention. On a très bien compris où est-ce qu'elle était l'électrogriffe et la belle grenade qui va être avalée par un système trophy. C'est dommage. On va envoyer une par la même occasion, mais une nouvelle fois avalée. C'est dommage, on avait des flashs dans les poches de Talgreen. On aurait pu les envoyer pour deny. Oh, on va tenter le duel. Compliqué. On va s'échanger quand même quelques dégâts entre les deux joueurs. Panic qui a pris le plus cher dans l'histoire. Mais attention. On vient chercher une de Maverick. On vient jouer au chat de la souris et pour le coup c'est Arco, c'est complètement bénéfique pour lui. On a les Thunderbirds qui viennent lui redonner de la vie et puis on a un trick gagnant. Du côté de Talgreen, on essaie de chercher des petits pieds. Du côté de Snoopy, on est inséré en bas. Est-ce qu'on va pouvoir avoir l'information pour un travers? Non, on va rota tout simplement. Et on va encore une fois passer frontal. Et Kiwi qui vient chercher Chambon. Ouais, Kiwi qui a réussi à ouvrir en tout cas une première partie de ce mur. Hauteur de tête. Homme de cœur chevelu. Et Arcos là une nouvelle fois qui va être mis sous grosse pression. On va aller se agresser. Premier préfire qui ne donnera rien. On va se replacer en terrasse. Attention, on va peut-être être un peu coupé en deux sur site entre Sio et Chambon. On a plus que deux joueurs sur le site. Ouais, on a plus que deux joueurs, on a Suyo qui est quand même assez loin avec son mute. Mais attention, on est 2-4 du côté des défenseurs encore. On s'éloigne peut-être du bon site pour avoir la plante. Et Arcos qui va faire tomber Talgreen, on fait tomber la nomade. Et on perd les flashs, il me semble, qui n'ont pas été utilisés. Et on se retrouve en 4v2, on est full vie, panique et Snoopy assez low. On rentre dans les 30 dernières secondes, est-ce qu'on va aller chercher la faute? Et Snoopy qui prend des dégâts, mais panique qui va faire tomber Blizzy. Attention, 3v3. On est proche du bomb site, on s'insère, on est rentré. On l'a pas vu, toi-même, tu sais qu'il va faire tomber Snoopy d'un sûr pour faire tomber Panic. Il reste plus que Kiwi. 1v3, 13 secondes de la fin. On a récupéré le désamorceur par la même occasion. Mais on est entouré notamment avec Arcos depuis cette terrasse. On va tenter un premier pré-fire. Et la plante qui va être annulée par Koz. On va reprendre le break pour les Gen Z.
3 du coup à l'issue de ce round. Ouais, et on a eu une dépense, enfin une attaque plutôt assez similaire à la première qu'on a eue du côté des Allemands. On est venu assez frontal. On a essayé le jeu de la verticalité par en dessous. Et on a cru que ça allait payer. Au final, côté des GNZ, on a bien réagi, on s'est réorienté, on s'est reculé un peu du bon site pour mieux se réinsérer au moment de la plante. Et puis, on a eu un effet accordéon. Et puis, on vient chercher ce round. Et du coup, on est à 3-1 du côté des GNZ. Ouais. 3-1. Et malgré tout, les SBs qui avaient quand même tenté plus ou moins la même attaque, en tout cas la même, le même esprit d'attaque avec le Maverick cette fois-ci, et ça aurait pu être la solution pour entrer sur site. Mais par contre, la terrasse qui reste toujours une problématique, cette zone terrasse tambour qui est un gros point noir pour les Allemands, on a du mal à gérer cette zone et à chaque fois ça nous fait défaut. Du coup, côté Gen Z, on reprend le break et la Libye qui va être sortie dans les mains de Blizzy. On va la troquer à la place de la Mélusée. Derrière, on va garder plus ou moins la même composition avec les mêmes rotations, les mêmes trous de verticalité sur l'ensemble du BP. Ouais, ça va être une opération, une défense similaire. Pourquoi changer quand ça marche? Et ici, on a un pic de la Alibi cette fois-ci. On a remplacé la Alibi par la Frost, si je ne m'abuse. Non, je sais plus. Attention, Suyo qui va aller. Dommage. Il a mis quand même. Ouais beaucoup d'HP quand même en moins pour Kiwi. Et même si on n'est pas tombé sur cette action, ça fait quand même un. Comment dire, ça met un peu le doute dans les têtes. Ça fait perdre aussi énormément de temps. Des premières secondes très précieuses pour l'insertion. Parce que 30 secondes déjà passées. On va perdre facilement une minute sur l'insertion, sur la première prise d'information. Et on reste quand même agressif en early, on va dire en early game pour les Gen Z. Là par contre, on va attaquer d'une autre façon. Côté allemand, on va directement aller s'occuper de cette terrasse, aller chercher ce tambour tenu par Suyo. On va essayer d'aller chercher les drones avant que ça rentre dans cette salle du tambour. Est-ce qu'on peut aller chercher? Parce qu'on peut aller chercher un kill. Et on va avoir les premiers échanges de balles entre Suyo et Snoopy. On est drone du côté de Suyo, je sais pas si on l'a vu. Et on va tout simplement reculer. Attention au premier duel. Les Chambons qui veut faire tout simplement tomber Denis au shotgun. On a pris beaucoup de dégâts, mais c'est pas grave, on prend le kill. La grenade qui est à deux doigts de faire tomber Suyo. Avantage numérique du côté des Français. Et Blizzy. Blizzy aussi sur une très belle ligne de le. Au loin. On a tous les crosses pour les Gen Z, on a du mal, on s'empale pour la SBIS. Derrière, Chambon qui fait un énorme dégât dans son dragon, mais bien revenge par Talgreen. Kiwi qui était quand même à terre pour être relevé. Quoique on va sur-agresser Blizzy, ouais, qui va faire un beau double kill. Il reste plus que Panic. Le Maverick 1v4. On a du mal, on a tous les crosses. Ouais, on comprend pas le setup. Et Blizzy en travers pour aller en terminer. Quelle défense de Gen Z! Quelle défense! Ouais, très strong, on reste sur les positions. Et à partir du moment où on tient une ligne et qu'on dit c'est notre pièce, ça ne passe pas. Ouais, et défense très intéressante. La longue ligne là, qu'on arrive à obtenir du côté Snoopy. Du côté de la Gen Z. Et c'est peut-être pour ça, non? Qu'on a choisi la Libye pour tromper l'ennemi, essayer de les faire tirer dans les leurs et prendre le maximum d'informations. Et aussi peut-être pour le viseur 1,5. Aussi, mais en tout cas, ouais, on. Ah, des très bons crosses, des très bonnes lignes, très bons jeux ensemble côté Gen Z. On va repartir du coup maintenant en Master Bedroom, salle de bain. On va redéfendre la verticalité et là, c'est ce qui a manqué tout à l'heure sur cette défense. Avec ce double étage, on est obligé d'investir les deux étages et naturellement on a moins de crossfire qui peuvent se créer. Ça avait fait défaut au Gen Z. À voir comment ils vont réussir à s'organiser
Par contre, cette fois-ci, on a pick un écho pour Suyo. En tout cas, pour prendre de l'information dans cette... ouais, dans cette... seul stock de livraison, je pense. Très bien caché, les drones d'écho. Oui, un pic intéressant, un pic d'écho, on va essayer de... On sait que tout à l'heure, que sur cette défense, on a eu du mal, on a laissé les assaillants prendre le contrôle du top assez rapidement, et puis on s'est fait un petit peu déchirer. Et du coup, on va aller chercher le écho, histoire de jouer le late game. Peut-être se reculer un petit peu du bomb site comme on a pu le faire tout à l'heure, et jouer les dernières secondes en allant DNA cette plante. Et on attend le C4 du côté de Blizzy dans la game chat, toujours aussi agressif. Et on a personne pour le moment. Ouais, personne pour le moment, on va faire une attaque en 3-2 on va dire pour les Allemands. Par contre, on a sorti de la Ying pour panique. On a pris un premier kill pour Kiwi, c'était sur l'écho justement, qui va tomber très rapidement derrière Chambon, qui va mettre pas mal de dégâts. Avec Snoopy. Wow, le travers. On investit le dragon pour Snoopy et pour Talgreen, il me semble. On va se remonter dans cette ligne. On a du mal à connecter sur les Prefire. Oh Snoopy. Prefire sur Prefire, on a du mal à faire tomber le français. On va retourner. Du coup, mais toujours avantage numérique pour les Allemands. Le drone va tomber, on va se replacer. Oh, cette Terra, c'est Talgreen qui va aller récupérer derrière. Panique pour faire tomber Arcos. Il reste plus que TMTC et Blizzy en 2v5. Oh TMTC. Prefire, il connaît sa position, Snoopy qui est très low HP. Le C4 qui va te lancer, qui va le faire tomber. Non! On reste en vie, mais les balles de la MP7 qui vont faire bouche derrière. Blizzy qui va décrocher la belle tête sur Talgreen. Attention à pas renverser la situation. Par contre, on investit le bomb site MTC qui va faire tomber Denis. Les frères, oui, on repart sur un... On transforme ce 2v5 en 2v2, même 2v1. On n'a pas beaucoup de vie du côté de la Ying. Il nous reste un Candela. On va l'envoyer tout de suite au niveau de la plante. Kiwi qui va planter le désamorceur. Est-ce qu'on va pouvoir... Allez, cancel cette plante. Et on va rentrer dans les 35 dernières secondes. On balance les premières smokes. Situation de retake du coup pour TMTC et Blizzy. TMTC au contact de cette master. Au contact, on... Avec les dents de déco, on a aussi un peu d'informations. Quand on s'est replacé déjà. Kiwi qui va faire tomber Blizzy. TMTC pour faire un premier kill. Et allez, revenge pour la même occasion sur Kiwi. Il reste plus que panique. MTC, panique, en seconde, on est obligé d'aller tenter la diffuse. Panique, il a très bien compris, on a lâché MTC, mais il aura pas le temps d'aller chercher le désamorceur, quoique, non. Très bien joué quand même de la part, ouais, très bien joué de la part des Allemands. On revient au 4-2. Et quand même dans la difficulté, attention, on perd un état de date, perdre un 2v5. Une grosse individualité de côté de Blizzy et TMTC. Et on va avoir un changement de side. Et on va avoir les GNZ, les Français qui vont directement commencer en attaque. GNZ. À l'attaque. À voir comment ils vont réussir à imprimer un tempo. On va prendre par contre de l'IQ côté GNZ. Là où ça n'avait pas réussi au côté dans les mains des Allemands. Prendre côté allemand. On va directement choisir la T-Room, salon de thé et karaoké. Capcom, qui est sorti dans les mains de panique. On peut viser au maximum sur les pièges et perdre un maximum d'HP sur les entrées potentielles des GNZ. En plus, ouais, c'est mis quand même sur des grandes portes, à des endroits, on va dire, un peu obvious. Où généralement, tu vas pas checker quand même. Pour d'entrée. Ah, mais on est vu du côté du Capcom, attention. L'avantage, c'est que maintenant on a la possibilité aussi de mettre deux Capcom sur la même porte. Donc si vous faites pas attention, ça peut faire mal. Il y a le Capcom qui est aussi de plus en plus ressorti pour. Généralement sur la compétition, en tout cas sur le LC, je l'ai pas mal vu. Allez, insertion pour les GNZ, on va faire une attaque en 3-2, si je puis dire. Entre Suyo et TMTC derrière, Narcos, Chambon et Blizzy qui vont attaquer assez frontalement.
aller chercher directement les informations. Côté office. Ah, il me semble qu'on on a le 4 ans, il me semble qu'on a panique. À la balade. Oui, attention, est-ce qu'on va le drone? Est-ce qu'on va avoir l'information sur panique? Et puis en plus à la cover, sans qu'il va être repéré dans cet VIP. Ouais, derrière par contre Arcos, ça va faire un kill sur Tall Green. De l'autre côté, on a une supériorité numérique maintenant. On attaque sur la verticalité de l'autre côté. Des informations sur des drones. Ouais, SUO qui va se débarrasser de panique justement. Ok, vas-y, qui s'est débarrassé de Snoopy Panic à la Revenge. Il reste encore TMTC et son IQ dans le coin, mais par contre on a perdu le désamorceur. On va aller le récupérer, mais on est parti sur BP maintenant pour Panic. Et on va avoir un juggling maintenant, 1 minute 20 restante. Est-ce qu'on va pouvoir faire la différence? On a toujours un avantage numérique du côté des Gen Z. On a encore du stuff, deux grenades du côté de la Finca. Et on arrive au contact de la rotation, le duel. Kiwi qui va faire tomber Chambon, 3v3, 1 minute de jeu restante. On va se replacer. Première occasion pour le mute allemand. On va reprendre la position et l'information sur cette escadre arc et c'est Busy. Busy qui a délogé du coup. On sera pas parlé, on va forcer sur l'SK main pour Arcos. Et sa nomade, bien épaulé aussi par Busy. Bah, on va y aller au forceps, on va pusher à 2. Essayer de faire la différence, on va rentrer dans les 40 secondes. TMTC qui prend quelques balles. Oh, TMTC Busy qui va prendre panique. Le culture Kiwi. Et Arcos pour interdire voilà. Sur Denis. Et voilà, ça passe quand même au final pour les Gen Z. On monte un escalier, on prend les kills. Et voilà, par contre, côté allemand, à noter qu'on n'avait pas de possibilité de revenge, on s'est vraiment donné un par an, en tout cas on a donné des 1v1 à chaque duel. On a vu Panic qui a fait un détour par l'office, pourquoi on a eu Kiwi aussi qui était seul en top escadarc, le Kaïd il me semble c'était Talgrin qui était seul en Geisha. Côté allemand, on a peut-être fait une erreur sur cette fan round parce que on savait très clairement côté français qu'on était obligé de push par un escalier potentiel. Oui. Et ouais, on a fait tout simplement parler des individualités du côté des Gen Z. On avait plus trop d'informations, ou peut-être justement on avait ces informations et on a tout simplement utilisé ses jambes et son arme et puis on a été chercher ses kills, ce qui leur permet de mettre le round et du coup 5-2 du côté des Gen Z, plus que 2 rounds et ça serait la première map et on va partir sur une défense. Côté exposition pour les Allemands, 2 Ice Beast avec un Jaeger, un Kaïd, une Thunderbird, une Mélusie et un Nukes. Ouais, et puis pour revenir sur le round d'avant, je trouve que c'est quand même. Pour moi, c'est vraiment une erreur côté allemand d'avoir donné 3 1v1 à chaque fois sur. Sur une position, on avait clairement l'avantage, il restait plus beaucoup de temps non plus pour les Gen Z. Je pense pas que côté Gen Z, on avait clairement l'information. On a vu Blizzy quand même push. Bonheur la chance avec son arme. On a voulu prendre position du tambour. On est parti côté dragon. On a récupéré un panique qui revenait. Mais ouais, je pense qu'on a eu. On a un peu de choc que tellement. Du coup, on passe sur ce rune. Panique qui était à la balade, qui s'est montré dans les drones, qui va faire perdre un peu de temps à la prise de position, l'insertion en tout cas des Gen Z. Côté Gen Z, on aime bien jouer par en dessous avec des grenades et des flashs. On voit voilà les premières grenades qui vont détonner, notamment celle de Blizzy. On va chercher des. On va tout simplement anti-stuff ou annuler certaines positions ou se créer des lignes pour envoyer des grenades en cloche comme ceci pour Blizzy. Attention à la suragression dans cette SK. On a un joueur en contact, Busy. On a un joueur en contact et pas l'air inquiété. Et on se sort très rapidement, attention. Est-ce qu'on a détruit la caméra? Oui. Est-ce qu'on a l'information sur Blizzy? Sur Blizzy qui joue très 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 agressif sur cette map. Et on n'a pas vraiment l'information aussi. Maintenant, on a l'information que c'est Barbelé et Chambon qui va faire tomber Panique. On perd la Thunderbird. Oh Denis qui va faire tomber Blizzy 4v4 en rééquilibre la balance.
pour les Ice Beasts. Par contre, on entoure pas mal de bombes. C'est quoi que Chambon. Pour prendre le retour de Denis. Ouais, il va se montrer très gratuitement. On va décrocher une belle tête sur Denis. Après, Fire derrière, on va se replacer. On va tout simplement rota. Pour aller attaquer le BP parce que on n'a pas réellement ouvert de mur bien comme il faut. Quoique, si on a ouvert le mur VIP pour la nomade. Pour Suo. Et ouais, Suo justement qui s'insère, qui a fait tomber Kiwi. Darin qui va se replacer, qui va lâcher sa terrasse. Attention. On a une belle ligne pour couvrir le bon petit B. On a un bon cross entre les deux joueurs. On a un bon cross, il faut bien le savoir. Talgreen qui va se faire récupérer par TMT. S'il reste plus que Snoopy, 1v4. Ça va être compliqué. Il va tomber tout simplement sous les balles de Suyo. Et voilà le run qui passe tout simplement. On a pris son temps. On s'est inséré. Une façon un peu plus originale. On n'est pas passé forcément front. On est passé par dessous, on a lâché quelques grenades histoire d'enlever quelques points de vie. Et on s'est inséré du côté du bureau. Et on peut voir que ça fait la différence. Ouais, attaque méthodique pour les Gen Z. On joue pas en dessous avec les grenades pour déloger. Il me semble que c'était vraiment pour déloger des positions. Derrière, on investit la VIP. Et on se retrouve en situation de supériorité numérique. Mais attention, on aurait pu se jeter bêtement sur BP. Parce qu'on avait eu un très bon cross entre les deux derniers joueurs allemands. Mais intelligemment, on a TMTC qui est venu attaquer par cette passerelle de l'office. Pour aller attaquer cette terrasse. Et naturellement, on a... Il me semble que c'était le Kaïd, je sais plus qui exactement, qui était obligé de se retourner pour aller le jouer. Et d'un crossfire, on est passé à 2 fois 1v1. Même 1vx pour le dernier joueur sur BP. Très bien joué de la part des Gen Z, on était très lucide sur son attaque. Et là par contre on va découvrir un nouveau BP sur la balle de match. Balle de map d'abord pour les Gen Z. On devrait attaquer cette kitchen. Kitchen barbecue il me semble. Si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. J'ai pas tous les calls de cette map. À l'ancienne, ouais, enfin, il me semble que c'était kitchen barbecue. Oui, Vester, le stock, si. La réserve, le stock, la geisha. Au top, on avait le karaoké. Attention, on joue la balade. C'est Snoopy. Est-ce qu'il va tourner Snoopy? Il me semble pas. Ouais, non. Mais est-ce que Snoopy est vraiment une menace? Parce que c'est un Jäger, on n'a pas de C4. Attention, retour dans l'escalier. Pour Snoopy qui pourrait faire la différence. Et on a pris un fuse du côté de Blizzy. Et on est parti aussi sur une Greenlock. Et puis qu'intéressant, on va avoir un gros contrôle de map. On va essayer d'aller détruire le plus de stuff possible avec le fuse de Blizzy où on a eu une grosse amélioration comparée à avant. Qui nous permet d'utiliser les fuses sur les murs renforcés. Du côté de Blizzy, on s'insère très rapidement du côté du tambour avec la batteuse. Est-ce qu'on va faire la différence sur le bandit? On l'a pas vu. Non, on l'a pas du tout vu. Et je pense que Denis, par contre, il a vu un fuse passer devant lui. Ok, on s'est replacé. On va aller tenir cette geisha. Et on a panique. Il me semble qu'il y a de l'autre côté. Oh, on est Skadark. On déloge. Pas en déloge, mais en tout cas, on tient très peu le top floor. Pas avec des lignes de loin. Ouais, panique clairement repéré, il va être mis sous pression, il va prendre pas mal de dégâts de la part de Blizzy. Et on est obligé d'aller au retard. Mais attention à Denis, par contre Denis, ouais, et il me semble qu'il est très bien repéré et là par contre il va être bloqué. Okay. On va aller tout simplement drop sur site pour pourquoi pas utiliser CC4. Oui, on drop assez rapidement sur site, on perd les positions assez rapidement, il reste 1 min 10. Ce qui va permettre à l'attaque de tout simplement... prendre les positions, de travailler, on va pouvoir fuse surtout. On a encore 3 fuses, le premier fuse qui vient d'être mis et Denis qui va prendre beaucoup de dégâts. Mais panique qui va faire tomber Suyo, attention, peut-être la lumière au bout du tunnel. Oh Denis compliqué sur sa verticalité, il aurait pu faire tomber TMTC mais il va pas prendre de dégâts derrière le C4 qui a été jeté et qui ne donnera rien. Et Blizzy justement par les sanctions de Arcos. Pour décrocher la tête sur Snoopy, reprend l'avantage numérique pour les Gen Z. Attention à Panic qui s'est replacé aussi dans ce bar. On va tenir des lignes de loin, désolé, du BP.
Et ça, faut bien le savoir pour les Gen Z. Regarde, Smoke qui va t'envoyer à ce que 20 secondes de jeu par contre pour les Gen Z pour l'exécuter. On a Smoke qui va bloquer potentiellement cette trappe et ce drop. Les Smoke en retour de Gridlock. On va lui bloquer l'information et il va tomber sur les balles de Blizzy. Blizzy derrière, on va s'insérer. Blizzy qui va faire un énorme carnage. Tyrin qui va faire tomber le désamorceur de cet MTC qui a réussi. Qui a bien couvert tout simplement le retour du castle. Oh, ça s'est joué à rien. On a manqué un peu de réussite aussi pour côté allemand. Bon, en tout cas, on va remporter la première carte pour les Gen Z. Je peux dire assez facilement, mais en tout cas sur le score de 7 à 2, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ouais. On va avoir grosse domination du côté des Gen Z sur cette map. On a déroulé le plan de jeu et peut-être les moves qui font la différence. Déjà, on a des grosses individualités, où on l'a vu sur un des rounds précédents, où on est tout simplement en 3v3 et on vient chercher les têtes. Et on a aussi un très bon droning qui est suivi et directement utilisé, où on vient droner et directement collecter la tête des ennemis. Et ça permet au Gen Z de mettre cette première map. Du coup, on va jouer sur la prochaine carte, ça va être Oregon, la map pique par les Allemands. Ok, on va profiter d'une petite pause pour les Allemands. On va peut-être attendre 2-3 minutes. Temps pour moi de paramétrer. Prochaine carte, on va jouer sur Oregon. Oregon. Map pic. Je vais remettre le bon map, mais t'as pas ta caméra. On va en profiter pour mettre le bon map affiché sur votre droite. Sur ma droite aussi par la même occasion. Oregon, qualité pic par les Ice Beast. En plus ils vont prendre la défense. Enfin, plutôt les Gen Z qui ont pris l'attaque. Ils ont pris l'attaque et en overtime, qu'est-ce que ça donne? Je check ça. Défense overtime pour l'Ice Beast. Du coup, on va attaquer deux fois. Blue attaque. Intéressant. Oregon, qui va être une map, on va dire, un peu plus classique que Sky. Un peu plus stade duel et j'ai envie de dire peut-être plus avantage au Ice Beast. Peut-être qu'on n'était pas préparé sur Sky pour les Allemands. Ouais, tout simplement. On avait peut-être un jeu un petit peu plus... Rocket, on s'est dit que c'est une map que il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent et peut-être que ça pouvait passer. Du côté des Gen Z, on a vu aller travailler, aller su presque par cœur et voilà, on a tout simplement fait la différence sur ça. On a eu quand même des beaux setups préparés en défense par Gen Z. Généralement sur l'ensemble du match, Gen Z qui était quand même assez solide, assez. Peut-être mieux préparé, mieux organisé. On a vu Ice Beast qui a eu du mal, surtout en attaque, à imposer son rythme, à faire rotation sur rotation. On a eu plusieurs problématiques, notamment avec cette Geisha, cette terrasse. Surtout le duo terrasse-tambour qui a vraiment posé problème aux Allemands. À chaque fois, on a peiné à mettre en œuvre son attaque. Côté Gen Z, en attaque, on a un peu plus déroulé, on a réussi, en tout cas, à s'insérer à chaque fois. On a même mis toutes ces attaques, tout simplement. On a mis toutes les attaques. Ouais, côté Gen Z, on dirait on était supérieur sur ce match. Par contre, attention, prochain match, Oregon. Oregon, pour Gen Z, il me semble qu'on l'a pas win. Si je dis pas de bêtises, Oregon l'a joué une seule fois, c'était face à Smoken, et on l'a perdu 7-4. Surtout que Smoken au classement, c'était plus faible que Gen Z, on va dire. Si on parle au niveau du classement, on va peut-être refaire un petit tour au classement en attendant. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ouais, Gen Z. Donc on est là, on est ici. Ouais, Gen Z a perdu face à Smoken. T'as eu que 3 victoires sur l'ensemble du groupe B, mais 2 victoires gagnées par défaut dû au forfait de Viper. Attention. Attention côté Gen Z.
On a peut-être eu un peu moins de matchs, mais peut-être aussi plus d'entraînement, plus de prac ont permis de trouver les points faibles et tout simplement on déroule, en tout cas sur la première map. A voir sur Oregon, ou est-ce que tu peux nous rappeler les résultats si tu les as? De Dice Beast, ouais. Et... ouais, Dice Beast et puis Gen Z sur les deux maps, en tout cas sur Oregon. Sur Oregon, Gen Z ça a perdu une fois. Côté allemand, on a gagné. On a gagné. Je vais remettre en même temps le classement pour que vous puissiez voir face à qui on a gagné. Hop, c'est ici. Côté SBS, du coup, on a gagné 7-0 face à Invicta Imperium, 7-3 face à FoxUp eSports Green, et par contre, on a rejoué une nouvelle fois face à FoxUp eSports Green et on l'a perdu 7-3. Contre, ouais, contre les autres équipes, on l'a pas sorti. À voir. À voir comment... Ah ouais, après à voir, parce que du côté des Icebeast, on a gagné deux fois la map, c'est ça? Ouais. Et on l'a gagné contre les derniers du classement, donc... Est-ce qu'on... Est-ce que... c'est gagné si facilement que ça, ou ça a été un petit peu peut-être donné par les adversaires? À voir. À voir. Allez, on est reparti sur la prochaine carte, Oregon, justement, avec les Gen Z. À la défense, j'ai du mal à couper la musique, voilà. Allez, côté Gen Z, est-ce qu'on va réussir à remporter son premier match de playoff 2-0 ou est-ce qu'on va aller en decider qui sera Clubhouse pour les Icebeast? En tout cas, pour les Icebeast, on a besoin d'aller chercher cette Clubhouse et Clubhouse. Si on est amené à jouer dessus, côté allemand, on a perdu 7-3 face à Sky, mais Sky, c'est quand même assez solide dans l'ensemble. Et Gen Z, on l'a gagné 8-7 face à Solid en overtime. C'était assez serré. Solid qui a fini 3ème du coup du groupe, juste derrière les Gen Z. A voir. A voir. Je pense que Clubhouse est vraiment la map avec le plus d'incertitude entre les deux équipes. Ouais, à et voir. Puis on a des bonnes assez classiques. On va les balles, le Thatcher et l'Oracle en attaque. Et le Kaïd pour l'instant défense. Je pense qu'on va avoir le deuxième ban espagnol, la Mira. Peut-être la Valkyrie, on va essayer de supprimer le plus d'informations et non. Ce sera les Espagnols, la Mira. On va avoir des bans assez ranked sur cette map pour le coup. Où on aurait peut-être pu changer le Rakal pour peut-être un Flores pour avoir une meilleure défense. Sur le basement. Peut-être même une Ibana pour empêcher un petit peu les ouvertures et forcer à jouer un Termit et un Ace ou peut-être même un Maverick. Histoire d'empêcher d'ouvrir la tick. Voilà, en tout cas, et le Flores et Maverick, comme tu as dit, ils vont être pick par les Gen Z. Après, ils peuvent encore changer les opérateurs. Par contre, en défense, pour bloquer le potentiel jeu de Flores, on a le Mute qui va être de sortie. De sortie. Et là, on va directement chercher la Kitchen Meeting en premier BP. Intéressant. Le Castle. Obligatoire, en tout cas, sur ce BP qui va être de sortie. Le Maestro qui va être pris dans les mains de Kiwi. Compo, on va dire, assez classique. Est-ce qu'on va se défendre le top? Ouais, on a ouvert la trappe. La trappe attique. Obligé, on va aller faire un petit setup et ça va être des opérateurs allemands joués par les deux Allemands, tout simplement. Qui vont aller se renforcer ce setup. Ce stuff, tout simplement, cette attique. À voir comment on va attaquer côté Gen Z. Est-ce qu'on va faire une attaque côté bout du monde ou tout simplement aller attaquer cette grande tour et attaquer le master? Voilà, on va faire une attaque, on va dire un plan en 3-2, quoi qu'on a 2-2-1. On a Blizzy qui est seul en bout du monde. On va aller se prendre l'attique pour le Maverick avec TMTC. Épaulé par Suyo, on a les très bons drones de placement. Pendant ce temps-là, Chambeau, il va aller prendre de l'armurerie. Oui, on va. Et on a décidé d'aller jouer ce top. On va aller déloger le Mute et le Maestro qui sont au top, ainsi que le Bandit. Non, le Maestro est en bas, pardon. On va aller chercher ce Mute et ce Bandit au top. Ouais, attention à la position agressive de Tall Green. Est-ce qu'il voudra Bandit Trick ou... Je sais. Peut-être, hein, parce que
La trappe d'ouverte, c'est une trappe hyper importante qui est de m'excellentir sur le bon site A. Du côté de TMTC, on va aller créer les premières ouvertures pour permettre à Suyo de prendre une ligne. Et attention à Talgrin au contact, qui pourrait faire tomber Maverick. On voit pas la tête, on voit pas la tête. Attention, on le voit pas, Oh, et coucou, si on va le faire tomber, on va faire tomber le désamorceur par la même occasion. On a pris un très bon pic pour Talgrin, c'était vraiment son jeu. C'était sa grande motivation. Malgré tout, MTC a réussi à ouvrir cette attique. On perd un joueur avec deux grenades. Et l'entrée qui est pris pour l'Ice Beast. Ouais, comme tu l'as dit, on a quitté la trappe pour le coup. Et on va aller ouvrir ce castle pour Chambon. On va commencer à prendre le contrôle du top. Il va rester une petite minute, attention. À la ligne croisée de panique sur cette attique. Ouais, attention, Blizzy. C'est Blizzy qui est dans cette attique. On est même passé derrière celui qui va prendre quelques dégâts dans cette attique à l'insertion. Panique qui va se faire sanctionner par Blizzy sur son flanc. 4v4, on retrouve l'égalité numérique derrière celui qui va faire tomber Talgrin. On va mettre la terre. Ouais. Est-ce que les pièges vont le finir? Non, pas du tout, mais ils vont bien l'entourer. Ça va être compliqué. Du coup, maintenant, allez le réanimer, on a du mal, on pourra pas le traverser ce joueur, mais on sait qu'on est en supériorité numérique. Peut-être la grenade pourra le terminer, non. Et attention, les 30 dernières secondes, on a encore les fumigènes. On a encore 3 grenades flash du côté d'Arkose. Est-ce qu'on va pouvoir peut-être faire la différence pour Snoopy? Attention, le premier duel, il se double. La belle tête. La belle tête. Simplement faire tomber Chambon. Blizzy par contre qui va faire tomber Kiwi, mais on est très 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 low et ça n'empêchera pas de prendre un double kill. Attention, on se retrouve en 3v2. Oh, Blizzy, les dégâts. Blizzy qui va se faire sanctionner par Denis. Derrière, on pourra pas planter pour Suyo, on pourra pas planter Arkose. Non, on pourra pas planter. On a bien défendu pour l'Ice Beast, on a bien tenu autant. Et Snoopy dans son couloir Z qui a fait un carnage, il a pris quand même 2 kills en late game. On s'est peut-être donné un peu gratuitement pour les Gen Z, mais voilà. Peut-être qu'Oregon, c'est la map des Allemands. Et en tout cas, sur ce premier round, on a bien surpris les Français de Gen Z. Ouais. On a eu le premier kill, tout simplement. On a été chercher l'entrée du côté de Talgrin. On a pris le banc. On a tué le Maverick. Et on a fait la différence. Et attention quand même, parce qu'à quelques secondes près, GNZ aurait pu mettre ce round. Et on va avoir le pic du montagne du côté de Chambon pour l'instant. Pour cette défense du côté des high beasts, du côté de la chambre. Ouais, il me semble que montagne, il l'avait sorti sur Villa quand on l'avait cast. Ouais. Il me semble, ouais. Sur les GNZ, dans la difficulté, on va dire le montagne. Ça va être une belle alternative. Allez, rien n'est terminé. Par contre, attention à ne pas perdre trop de temps, on va se faire énormément d'ouvertures pour Talgrin et son shotgun avec Alibi. On va se faire un gros setup quand même, avec une ouverture de cette fenêtre gaming. Le beau Vulcano aussi qui va être placé en cas d'insertion dans ce closet, il pourrait être détruit et bloqué et forcer la rotation du joueur qui pourrait se cacher là-dedans. Allez, insertion pour les Gen Z, nouvelle attaque, on va dire nouvelle même strat pour les Gen Z. On va partir en 2-3, deux attaquants côté tower. Oui, on va aller prendre cette grande tour. Dans un premier temps, on va encore une fois jouer la tick assez normale. Et on va jouer, et attention à Chambon qui se promène tout seul. Rez-de-chaussée avec le diffuseur, on n'a pas peur pour le coup. Ouais, et il va être repéré par Denis. Denis, il me semble. Attention. Ouais, il va attendre Blizzy. Petite ligne. Et oui, on doit être. Ouais, non, je le sais pas. Attention à la tête qui pourrait très vite partir. D'ailleurs, Kiwi qui a pris quelques dégâts aussi dans cette attique. La part du Suyo, il me semble. Mais ouais, mais par contre, c'est vrai que montagne, il peut être. On va dire Game Breaker. On va s'insérer très rapidement dans ce trophée. On va prendre l'information sur Denis. On va bloquer la porte trophée.
Et on va forcer à fixer le défenseur à le fixer. Oh, la belle grenade de Blizzard, pas en dessous. Pour aller chercher les deniers, c'est le Wamai qui va tomber. Et un Vulcano aussi pour la même occasion. Mais attention, on a vu Snoopy qui va retake. Non. On va rester pas en dessous pour Snoopy pour potentiellement récupérer des petites erreurs. Ouais, comme tu l'as dit, Montagne, un peu un perso à double tranchant parce que on perd de la puissance de feu, mais on garde de l'information. Et Kiwi qui veut tout simplement faire tomber TMTC. On n'a pas besoin d'avoir un Montagne devant pour prendre le kill. Et Suyo qui peut avoir une position très importante. On va empêcher l'avancée du smoke, mais est-ce que le smoke est vu? Il a pas compris qu'il a sur droite, il a pas compris. On est coup de shotgun, oh, le deuxième qui va passer sur Suyo, on va reprendre l'avantage numérique pour les Ice Beast. Attention par contre, derrière un blessé qui va prendre pas mal de dégâts, on est resté à bridge par cause. Mais ça va être compliqué. On s'est inséré pour Chambon, on s'est inséré, mais on va tomber sous le shotgun de Kiwi. 4v2, ça déroule pour les Allemands. Blizzard qui va tomber sous les balles de Snoopy, il reste plus Carcos. 1v4. Et ça va être compliqué, ça va être compliqué. On a clairement l'information sur le C4 de panique qui était pas en dessous en école. Et ouais, on n'a pas les amorceurs pour Carcos. 15 secondes. Mission impossible pour les Gen Z et il va tomber tout simplement sous les balles de Snoopy. On prend le break pour les Allemands sur ses défenses, sur Ego maintenant. Comme tu le dis, on a une belle défense. On a eu un smoke très solide sur son attique qui a fait tomber le montagne, je sais pas trop comment, mais. J'avoue. On a réussi quand même. On a réussi quand même à prendre le kill. C'est aussi ça, la magie de Rainbow Six. Et on vient aller chercher le break du côté des Ice Beast. 2-0. Ouais, on va break partir sur une défense tout seul. Break qui est mis d'entrée de jeu. Par contre, le montagne, là, où on va dire, sa faculté, c'est de prendre rapidement des zones, de forcer les défenseurs à vite repartir sur BP. Par contre, une fois à la porte du trophée, on a eu du mal. On a préparé son exécution. D'un côté attique, ça n'a pas suivi. On a eu du mal à prendre cette attique et. Et c'est TMTC qui était tombé sous les balles de Kiwi. Un petit problème de ce côté derrière. Quand on perd l'avantage numérique à un montagne, c'est pas top non plus parce qu'on perd un potentiel gunner dans 5 oppositions. Ouais, et puis. C'est dommage. Et on va partir sur un fast push du côté des Gen Z. Ouais, on va faire un setup étendu. On va aller rush le main. Ouais. On s'est pas tous mis au même endroit, on va avoir un rush assez spécial. Parce qu'on fait un gros setup, on a juste kiwi sur BP. Oh. Ouais. Sorti la Dokkaibi. Oh là ça va partir. On prend quelques informations quand même. Avant d'aller chercher cette plante. Est-ce qu'on a compris côté Ice Beast? J'ai pas l'impression, on a surtout deux joueurs Ice Beast au top. Ici, Blizzy qui va tomber, mais qui va essayer de se ranimer, mais qui va quand même tomber sous les balles de Snoopy. Et on s'insère quand même. On y va, on push, on pousse. Du côté de Chambon, tous derrière Chambon, c'est parti. On va balancer le premier fumier, est-ce qu'on va pouvoir planter? Attention, Jäger qui se trouve dans le frigo, attention à Denis. On n'est pas devant lui, on a perdu. Denis qui va tomber sous les balles de TMTC. Derrière Chambon pour aller chercher Kiwi, derrière Panic pour faire tomber TMTC. 3v3, égalité numérique, mais attention Chambon, très low HP, on va planter pour Suyo. On va planter, est-ce qu'on pourra reprendre le main? Non, Snoopy peut-être pour annuler la plante. Ouais, on va faire tomber Suyo. Non. La plante qui passera pas. Arcos dans cette buanderie. Oh, Talgreen, on l'a pas vu, derrière Chambon qui va tomber sous les balles de je ne sais pas qui. Talgreen qui va prendre pas mal de dégâts. Panique pour aller terminer Chambon. Et panique pour aller terminer Arcos. Les push qui ne passera pas. Mais ouais, ça s'est joué sur un petit détail pour les Gen Z. Ouais, comme tu l'as dit, on a tenté un rush, mais on perd un des persos les plus importants, la Finca, avec son boost. Et on a eu un très beau kill du côté de Denis, qui a un peu anéanti l'espoir de rush des Gen Z. Et on a eu une bonne intuition, je pense, du côté des Gen Z. On n'avait pas beaucoup d'informations
problème, c'est que on aurait peut-être dû y aller vraiment d'un coup, ne pas avoir peur, et puis. Puis je pense que c'est ça qui nous a qui leur a manqué. Après, le problème, c'était aussi la position du joueur en freezer, il me semble que c'était Snoopy. Et avec la mort de Blizzy en très early push, il me semble que c'était son but en tout cas, vu sa position, ça doit être son but de prendre ce freezer, mais avec le setup étendu, on avait un joueur potentiellement en kitchen ou peut-être en shower qui se baladait. Il me semble que c'était la Thunderbird de qui? Je me rappelle plus. Ça va être la Thunder de Snoopy. C'était Snoopy sur Thunder et c'était Denis sur le Jaeger. C'est ça. Et du coup, on va repartir sur cette kitchen meeting une nouvelle fois. On va reprendre la position d'attaque. On va renforcer assez light les murs pour Snoopy. On a ressorti du coup le Maverick pour TMTC. Par contre, le Fuse qui refait son apparition. Voir cause. À la phase de droning d'entrée de jeu, on va très vite prendre les informations que cette top là est clear, on va dire côté master. Par contre, on va se faire aussi des bots pour Denis. Ouais, Denis qui a pris aussi quelques dégâts. Oh, on a pris les dégâts pour Denis. Pas compris. Peut-être par un allié. Non, peut-être par Blizzy qui s'était très rapidement inséré dans cette master. Ouais, par contre. Là, Talgrin, ça va être à double tranchant sa position parce que maintenant on connaît sa position. On connaît sa position en fond antique. Oh, Suyo, est-ce qu'on va avoir un petit pied? Suyo, attention à pas se montrer. Ah, on va le voir, on va prendre son retour. Ouais, on va le mettre à terre. Et il est à terre. On va le mettre à terre. Est-ce qu'on pourra le terminer? Non, on pourra aller le revive par contre. Oh, il va réussir à le laisser dans pas cette trappe. Oh, et derrière. Busy, ouais, qui va. De toute façon, on va sous les balles de. Non, qui va faire tomber. Panique. Attention à Snoopy. Attention à Snoopy qui s'est montré. Il a manqué son duel. Et son trigger control qui n'était pas terrible non plus. Qui, du coup, va repasser au basement. Chassé par Suyo. Mais on va abandonner la poursuite pour la gridlock. Allez, on prend l'avantage numérique pour les Gen Z. Le fuse. Qui fait effet. Attention à Snoopy. Attention à Snoopy. Attention à Snoopy. On a Blizzy en escape blanc. Oh, on le verra pas si on le verra maintenant sur la montée escablant et coucou. Oh, le duel, et voilà. Good allez. Night pour Snoopy qui était en 5-0. Ouais, et 5v3, attention, presque peut-être un 5v2 avec Talgrin qui n'a pas beaucoup d'HP. On va rentrer dans la dernière minute de jeu. Est-ce qu'on va pouvoir faire la différence et essayer de prendre un kill et... Ça va être très compliqué parce qu'on a tous les retours du côté des Gen Z. Peut-être le premier round de la formation des France. C'est... Ouais, mais attention avec les caméras de Mastro qui vont prendre aussi pas mal d'informations. Denis et son appoint ça et qui va prendre un premier kill, non. Et Suyo qui va le découper tout simplement derrière Kiwi qui va faire tomber un premier joueur. Arcos derrière pour faire tomber Talgrin, il reste plus que Kiwi. 1v4. Ça va être compliqué pour le Mastro allemand, on est bien attendu et Chambon, bon là on termine. Voilà les Gen Z qui ont réussi à mettre un très gros rythme sur ce round. On a très bien compris aussi par la même occasion le setup des défenseurs. On ne s'est pas fait avoir sur la position agressive du bandit. Et le Fuse aussi, qui a fait son efficacité sur site. Ouais, on est parti sur une composition un petit peu comme on a pu faire sur Skycreeper. On va chercher trois batteuses du côté de Fuse, Finkai, Greenlock. On vient chercher les retours, on empêche les Allemands de remonter au niveau des escaliers, puis on vient tout simplement dérouler le plan de jeu. Avec un petit peu de réussite quand même sur ce drop. Trap, mais qui fait la différence et qui leur permet de mettre un round et casser ce 3-0 et peut-être revenir au score. Ouais. 3-1 du coup, au bout du 4ème round. Pourquoi pas aller chercher le 3-3 pour les Gen Z? Malgré les 3 rounds de différence, on a quand même fait une attaque, je peux pas dire assez propre, mais on était en confiance sur cette attaque pour les Gen Z. Vu le tempo, ça, on a senti une certaine confiance. On a que sa strat, à son setup. Et c'est passé. À voir comment maintenant on va aller défendre cette attaque plutôt.
ce top et Snoopy. Snoopy en top tower. Faudra clairement prendre l'information sur sa position. Et on n'a pas pris le Maverick par contre cette fois-ci pour TMTC. Est-ce qu'on va laisser la tique ? On arrive sur la montagne. Oh, premier duel avec Denis. Aussi, qui aurait pu faire mal. Ah, là, on joue d'une façon très différente pour les Gen Z. Intéressant, on ne propose pas le même plan de jeu. Et c'est peut-être ça la clé du match entre les deux formations. Peut-être plus un jeu un peu plus agressif du côté des Gen Z qui peut surprendre. Et on a changé le marron, on a pris la Ibana cette fois-ci. Ouais. Oh, qui va se débarrasser de Blizzy. Ah, Suyu, il est rentré, ouais. Dans cette tower, il va se faire sanctionner par Snoopy. On n'avait pas du tout l'information de jouer en top tower. TMTC pour aller potentiellement aller le récupérer, mais ça va être compliqué. On sera obligé d'aller Rota. Et par contre, Denis, cette fois-ci, il est resté dans son trophée. Bien développé aussi par les drones de Flores. On pourra prendre la position et tenir une nouvelle fois cette position. On fait tomber le stuff un par un. Ouais, ça va être compliqué par contre là pour les Gen Z. On est en double infériorité numérique à 1 minute 20 de la fin. On a même pas pris une pièce sur la carte. Oh, Chambon. Oh, Chambon. On a deux joueurs. Ah, la balade en dessous. Et pas du tout. Je crois voir quelqu'un dans la meeting. Non, mais en tout cas, on a Snoopy dans la douche. Arcos pourrait mettre pression toujours sur sur ce Master Chambon qui va faire tomber Denis. Ouais, on a l'itération de Goyo pour Arcos. Attention, 50 secondes de jeu. Snoopy qui va se donner dans la ligne, ouais. Attention. On revient sur un 3v3. Attention à pas faire trop d'erreurs pour les Allemands. Arcos, il prend pas mal de dégâts avec sa smoke et des Vulcans aussi qui vont faire ralentir pas mal de temps. Oh, l'agression de TMTC qui était rentré en escablant, bien récupéré par Talrin et son retour. 2v2 par contre, on va s'insérer, on va prendre pas mal de dégâts pour Chambon. Ouais, le joueur en escablant, il va prendre toutes les coupes. On a Kiwi aussi dans son attique. Il faudra push, il faudra choisir une cible pour les joueurs. Non, Kiwi pour se débarrasser de Chambon. Arcos à la revenge. Non, Kiwi pour aller faire un beau double kill de fin de match. Et on va partir sur un score poétique sur un 4-1. Oh, bien vu. L'avais pas. Ouais. Puis on va tout simplement mettre sur hold. C'est maîtrisé, attention peut-être. On a failli se faire surprendre. Sur quelques petites erreurs. Mais dans l'ensemble, on est sur un round assez maîtrisé. On va repartir. Du côté du sous-sol, du côté des Allemands, est-ce qu'on va trouver cette faille pour une fois du côté des Gen Z et essayer de mettre un round histoire de sortir de ce seuil en 4-2, ce serait l'idéal pour les Français. Et évidemment, marquer un point de plus pour les Allemands, ce serait tout aussi intéressant. Ouais. Ouais, pour les Gen Z là, faut aller chercher le 4-2 potentiel pour pas créer un trop gros écart au score et toujours pouvoir prétendre au 2-0 dans ce match. Côté Asbeast, on ne lâche rien, on reste toujours fidèle. On a son setup, on est confiant aussi sur Oregon. Et on va proposer un gros setup une nouvelle fois sur ce basement. Avec pas mal de joueurs à la balade aussi, par la même occasion. Et là, je pense que, ouais, côté Gen Z, on va aller faire un gros contrôle map. Ouais, on vient chercher le 2KB pour avoir un petit peu plus d'informations. Ouais, on va faire un gros contrôle map. L'information, elle arrive bien jouée. Allez, insertion, bout du monde pour les Gen Z. Est-ce que ça a été bien compris pour l'Asbeast en tout cas? Ouais, on est bien aussi enfermé sur ce site contre Snoopy qui va prendre quelques dégâts dans ce couloir Z. On reste agressif avec cette fenêtre école. On a aussi les trappes ouvertes pour les Allemands pour pouvoir back tranquillement sur site.
On s'étend énormément sur le bon site. S'étend, on fait une défense au top. Ah non, Talgrin, ouais. Talgrin qui est toujours en haut. Je sais pas sélectionner. Voilà, Talgrin qui va récupérer Blizzy. Oh, attention. On a qui en a Chambon. Chambon, on n'a pas l'information sur Talgrin qui est en... qui est dans sa gaming. De toute façon, 1 minute 40 aussi à pas perdre trop de temps sur... sur l'anti-roaming. On va abandonner. On va abandonner l'anti-roaming et Denis. Oh, Denis en escalant. Ouais, qui a eu du mal avec son trigger control. On peut récupérer des petits pieds gratuitement. On va se faire flash par la même occasion derrière. Ouais, par contre, toujours attention à Talerine. Panique, lui qui va tomber sous les balles de. Il me semble que c'était TMTC qui a fait. Ouais, il a fait tomber Panique dans cette meeting. Puis on y va un petit peu au forceps. On va essayer d'aller chercher des kills. Maintenant 4v4, attention, peut-être la possibilité. Et Odenu. Non, attention. Odenu qui va remonter sur cette escablante bien revenge par Chambon. Toujours avantage numérique, quoique. Oh, Chambon qui va mettre un gros flic sur Talgrin. On est en 3v2 par contre, vu que Panique est encore à terre, on pourra pas aller chercher le revive. Snoopy qui va les réinvestir potentiellement. Ce freezer, en tout cas, garder cette autoroute. 30 secondes et de jeu. 3v2. Ouais, 30 secondes de jeu, attention à pas trop tarder sur son. Sur son. Push ou... En tout cas, on va aller se smoke. Attraper l'egg pour Kiwi. On va attaquer côté main potentiellement pour les Gen Z. On a encore quelques drones. On prend les dernières informations. Les fuse aussi qui vont détonner par la même occasion. 14 secondes et on va se montrer dans la ligne de Snoopy. Ouais, il va récupérer une première tête sur TMTC. Oh, Snoopy, on va bien jouer avec cette double ligne ouverte. On va faire tomber Chambon et Arcos qui va tomber sous les balles de Kiwi. On ouais, va partir on avec a... un sac 1 à la mi-temps. Vas-y, je te laisse parler. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. On a un peu push à l'aveugle. On s'est un petit peu dit, ça passe ou ça casse. Et puis malheureusement, ça a cassé. Et on va perdre ce round, qui est assez important. Et on va être sur un 5-1, du coup. Du côté des Allemands. Changement de side. Est-ce que la défense était plus importante que l'attaque entre ces deux équipes? On va voir ça tout de suite. On va partir du côté de les kids pour les Français de chez Gen Z. Pardon. Ouais. 5-1 à la défense. On va voir. Ça va rien dire. Les scores. Potentiellement, normalement. Généralement, Oregon, c'est une map quand même assez attack sided. Après, à voir. On a déjà eu des matchs où que les défenses passent ou des coups que les attaques passent. À voir comment Gen Z va essayer de déployer son jeu en défense. En tout cas, on va prendre de la Valkyrie, vu qu'elle est ouverte. Et derrière, côté allemand, on a sorti du Capitao et du Zéro. On va évoluer aussi. On va prendre d'autres types d'opérateurs. Du côté de la kids, on va changer le Flores pour une Zofia. On va essayer d'aller chercher le stuff par en dessous, détruire les bandits ou les mutes. Peut-être ouvrir ce mur du côté de la master. Et oui, c'est je pense c'est ce qu'on va faire. On s'est permis de prendre un zéro pour prendre un maximum d'informations sur les ennemis. Et insertion du coup du côté de la master. C'est vrai que Zero il peut être utilisé pour deny le stuff, en tout cas pour deny les ADS. Ça peut être décidément on a toujours pas compris pour Denis. On a motivé à détruire. Et on a abandonné. Il nous en reste plus qu'un. On va faire une petite pause sur les Zero avant de plus en avoir. Ah, même pas 2 minutes de jeu. Ouais, c'est... C'est dommage pour Denis. Oh, et Blizzy par contre qui va revenir. Ah, l'escalade. Ouais, l'escalade. C'est assez jouer. Dommage. C'est assez dommage, tu vois. Et Chambon qui veut faire tomber Snoopy. Mais Denis qui va prendre la rivale sur Chambon directement. Denis qui va prendre beaucoup de balles. Est-ce qu'on peut faire la différence pour Blizzy? Attention, le duel. Blizzy qui va tomber sous les balles de Denis. Denis monstrueux sur ce round. Ouais. Et Denis qui va être.
une nouvelle fois confronté à un duel avec un shotgun, est-ce qu'on va pouvoir le gagner? Et c'est le décalé qui va prendre le kill sur Denis. Denis qui veut tomber. Ouais, Denis, il a eu du mal à placer ses caméras, mais par contre, à la MP7, ça déroule. Par contre, on se fait bien sanctionner par Suyo avec son shotgun. Et là, on est... Ouais, Suyo, on est vraiment dans la... dans une mauvaise posture, voilà. On va tomber sous les balles de Kiwi. Putain, j'ai du mal à la chose. Vraiment à terre, pour le coup. Ouais. Mais oui, tu vois, c'est assez dommage du côté de l'attaque. On est parti sur 6 clés morts. On aurait pu aller chercher du plus de deny de stuff, je pense. On a inséré pour Talgrin. Ça, je n'avais pas vu. Ce filou, attention, on va lancer les premières fumigènes. Et attention, on a inséré, mais de chaque côté, on a un Gen Z. Ouais, Arcos qui va tomber sous les balles. Non, qui va faire tomber panique. Derrière, il reste plus que TMTC. 1v3. Oh, 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 on va aller chercher le capitaine. Oui, non, panique! Derrière qui s'est inséré par le trophée, qui va le faire tomber. C'est ça, pour l'Ice Beast, on a déroulé en attaque. Et on part en balle de carte, balle de map. Déjà, sur cet Oregon. Potentiellement aussi une balle de Decider. Et ouais, je sais pas si tu as vu. Un truc intéressant que je sais pas souvent. C'est au niveau des carreaux de Capitao, au niveau des fumigènes, on les envoie au niveau de la tête. Ce qui bloque complètement l'information. Pour l'ennemi, mais pas vraiment pour toi si t'es allongé. Ouais, ouais, depuis ce fameux moment en fait. Quand les... Ouais, non, je l'ai jamais fait. Mais c'est. Les flammes ils rebondissent, mais les fumigènes ils explosent directement sur la surface touchée. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, ouais, parce qu'on coupe toute l'information, toute la visue du défenseur, et puis. Pour tout simplement sanctionner. Et Dome, du côté des GNZ, sur cette carte Oregon, est-ce qu'on va réussir à faire une remontée en or, une remontée du siècle, à suivre sur ce round, et on va repartir au top, du côté des GNZ, et on va avoir une Frost, sorti, un ouais. Petit bug d'affichage, oui, j'étais en train de me demander. Non, on peut pas repliquer en défense. Ouais. Et où est-ce qu'on va les mettre du côté de TMTC? Parce qu'au niveau des speeds, ouais, moi on va essayer de sanctionner directement ce Capitao. Pas parce que Blancy. C'est le... cher payé. De rester un. Ça va. Ouais, on va voir si ça va payer. Du coup, on a que Talgrin normalement qui s'insère à la grande fenêtre. Il est là le dernier, derrière le billard. Ah ouais. On prend une Frost juste pour Talgrin. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va valoir le coup? On va voir ça. Et Denis qui a lâché son zéro. N'arrive pas à placer les caméras. Du coup, on va passer son Yana. Ouais, premier préfère. Pour Talgrin. Et on aurait peut-être pu reprendre le zéro du coup, puisqu'on vient chercher un EDS. Ouais, ouais, ouais. Il y aurait eu plus que. Deux petits zéros de gâchés. Et attention, du côté de Blizzy, on a pris. On a switch le bandit, on n'a plus rien pour défendre le mur, mais on a décidé de prendre une belle ligne sur cette fenêtre de la pièce du dessous. Et Blizzy qui joue agressif, on va essayer de prendre quelques dégâts sur les Allemands et ça ne va pas connecter. Ouais. Attention Suyo qui commence à être mis sous pression. Suyo aura fort à faire là, dans son attique, à tenir un bon cross. Oh, par contre, si on a l'information du joueur en rappel, en kids, Suyo peut venir se faire agresser. On s'y attend pour Talgrin. Prefire. Sur Prefire. Ouais, Suyo là, il va être complètement bloqué dans son attique. Il va même reculer tout au bout. Et cette distance avec la SMG, il faut bien la gérer. On a besoin de dépasser. On voit le bras. Attention, on est sur quelle résolution du côté de Suyo? Oh, attention! Ça aurait pu connecter, mais on prend quelques dégâts pour Snoopy. On reste toujours sur cette ligne. On a beaucoup de mal à le faire tomber. Voilà, on a du mal à le faire tomber à l'arme. Du coup, on va chercher une belle grenade en cloche. Derrière, Blizzy qui va pas réussir à se faire agresser. Chambon pour faire un beau double kill sur Panique et sur Denis. Il me semble que c'était sur un back. Ouais, on a reback top SK main pour Chambon. Derrière, Kiwi. Qui va sortir au web, Blizzy. Ça m'a même permis d'aller chercher le couteau.
Et on a l'information, j'ai l'impression. Pour Snoopy. Sur Chambon. Est-ce qu'on va décider d'aller le chercher? On est obligé, sinon c'est une grosse pression dans le dos. Qui ne sera pas enlevée. Ah, oh, c'est compliqué. Oh, Kiwi qui va justement se débarrasser de Chambon. C'est l'épine dans le dos qui va t'enlever. Bien caché, TMTC dans cette case. Arcos, agressif en top. Escablant, attention, c'est à Talgreen. En big window. On va s'assurer pour Snoopy. On va s'assurer. On va prendre. Investir cette case. On va faire tomber justement Arcos. On va se prendre un frost map pour Talgreen. Oh, TMTC qui l'a fait avec ses deux frost maps. J'ai rien dit, la Frost a clutch le round. Ouais, la Frost a clutch le round. On avait vu la Frost mat le premier piège à la Frost en grande fenêtre, le deuxième qui doit être en post défaut derrière ce baby foot. Ouais, et puis on s'est fait avoir. Et derrière, la dernière seconde, ça, puis ça a ouais. Payé. Ah, bien caché quand même sur son meuble, TMTC. Allez, 6 à 2. Et pourquoi pas une remontada pour les Gen Z. En tout cas, il faudra réussir à passer la défense du Laundry, mais du Basement, pour nos Français. Ben, on va faire un setup un peu plus classique que les Allemands. Ben, une défense tout simplement. Sur site avec la prise du bleu, le stuff dans le bleu, on va se renforcer toutes les trappes. Il y aura peut-être que du roaming, mais sans trop de stuff et de rotation. Ouais. Autre joueur caché à droite à gauche. Non, ça va être une turtle pour nos Français, très très agressif pour TMTC. Pas du tout, et insertion de coup pour nos Allemands. On a pris Noza pour Snoopy. Noza qui avait pas fonctionné sur Sky, donc on va la retenter sur Oregon. Alors on va s'assurer très rapidement dans cette tour. Ouais, on va prendre le contrôle des bacs intelligemment. Peut-être Snoopy, on est déjà dans le kitchen. On va déployer les premières claymores. Claymore deployed. Ouais. Claymore. Les premiers shields. Ouais, c'est une vraie turtle pour les Gen Z. On va ouvrir du coup la trappe avec Talgreen. Et son Capitao. C'est genre de jouer Capitao comme un armbridge. C'est vrai qu'avec ce nouveau armbridge en gadget secondaire, c'est quand même assez. C'est intéressant pour pallier à un Bandibana de Marvake ou autre. Ouais, panique. Bon jeu de drone pour aller faire tomber tout le stuff. Sio qui va être mis à nu dans son bleu. On va prendre l'information aussi sur Arcos. Arcos, voilà, qui va quand même se débarrasser de Denis sur son back. Ouais, descendre en Esca. Ouais, Esca tournant. Oh, Snoopy avec le. Oh, le C4 qui va faire tomber son chez le dernier studio. Qui va se débarrasser de Kiwi. On s'en parle un peu sur le setup des Français de Gen Z. Ah, c'est la double pression dans le bleu qui est tombée. On perd aussi le désamorceur par la même occasion. Arcos, lui, qui va rechercher tous ses points de vie. Et là, la défense, clairement avantage pour les Français. Attention, pas rester trop agressif. Oh, sur-agressif pour Suyo. On va se faire sanctionner. Derrière, on va tomber aussi pour TMTC sous les balles de panique. 3v3, on retourne un peu la situation. On est tous full HP pour tout le monde. Attention. Attention à Blizzy dans son freezer. Il va être déterminant. Il va être déterminant. On s'insère pour panique. On s'insère. Oh. Oh, panique. On va se tourner deux. Ouais, on va faire un premier kill derrière. On va se faire direct revenge par Blizzy. La plante qui va être amorcée par Tyrin. Snoopy à la cover. Oh. Est-ce que la plante va passer? Non, la plante, elle va pas passer. Blizzy qui va justement faire tomber Talgreen. Snoopy, 1v2 à 15 secondes de l'affaire. On a joué en contact. On a Arcos au contact. Et le préfire. Non, Arcos.
pareil, mettre une belle tête. Et petit à petit, le français qui remonte. 6 à 3 maintenant dans ce match. On se base sur cette seconde carte. Ouais, puis on a eu un round assez disputé. On a réussi à reprendre l'avantage numérique, à maintenir cet avantage, et puis on vient tout simplement dérouler. Très belle défense du côté des Gen Z. Et on va partir du côté de la kitchen avec un Capcom du côté de TMTZ. TMTC, pardon, c'est plus simple. Et c'est le vrai pseudo. On est parti. Allez. Merci cette fois-ci pour les Gen Z. On va défendre Kitchen Dining. On va pas défendre la Kitchen Meeting. On préfère, on dirait l'autre cas de figure de la défense de la kitchen. Est-ce qu'on va se setup aussi le top tour? Petit tour jaune grise au bout du monde. A voir. Je pense pas. Je pense qu'on va directement tenir les toilettes avec ce maestro, ses percussions. Histoire de détruire les potentielles charges exothermiques qui pourraient atterrir sur ce mur. Ouais, par contre côté allemand on a sorti le buck et je pense qu'on va faire une attaque côté, on va dire côté master pour aller prendre la meeting et ouvrir directement la kitchen. On va pas s'occuper du bout du monde. Ouais, on va s'en servir, ouais, comme je l'ai dit, on va s'en servir du côté de la master. Côté du top, on va prendre un maximum d'informations et aller jouer la verticalité. Et attention, premier duel. Oh, TMTC, ouais. TMTC va prendre quelques dégâts. Pas mal de cales par Snoopy. Et on va déjà redescendre. Ah, on va redescendre, mais on a un C4 dans la poche. Même deux avec Blizzy. Et attention, Charbon qui va remonter. Oh, j'arrive pas à passer sur lui. Oh, panique. Panique, attention, dans son dos. Oh, ouais, ouais. On va mettre une première tête pour Chambon derrière, la deuxième qui passera, ouais, sur Snoopy, Chambon qui aurait pu faire un triple kill, non, Denis, qui va aller le récupérer, mais on va prendre quand même un avantage numérique pour les Français grâce à ce bac. Et on a perdu les... on a toujours le stage pour travailler la verticalité, on a juste perdu le buck. Oh, et voilà, c'est pas un C4, c'est un Capcom. Le Capcom qui fait effet. Et maintenant on a un C4 par en dessous. Oh le C4, oh le C4, non. On était à côté pour les deux joueurs. Je pensais que ça allait faire un beau double kill et bah, du coup on a perdu le sledge sur le Capcom. On force Talgreen à utiliser ses grosses airbreach. Non, c'était QI à utiliser ses Selma pour voir potentiellement une verticalité. Et voilà, comme je l'ai dit, on va aller chercher cette trappe attique. On va aller chercher cette meeting et potentiellement ouvrir ce mur meeting. Écoutez, Gen Z pour l'instant on est bien sage. Phase de tempo à 50 secondes de la fin. Et oui, qui va aller ouvrir le mur, Talgreen. Ouais, comme tu l'as dit, 30 dernières secondes. Mais Kiwi, ouais, Kiwi pour la surprise de cause. Et attention à pas se donner du côté de Suyo, attention. Hotel Green, on n'a pas vu les pieds. Oh, ça va être terrible. Oh, ça va être terrible parce que Kiwi pourra s'insérer. Non, on va reprendre, on va rester quand même assez loin pour Kiwi, mais Suyo qui reste là comme une grosse menace. Hotel Green peut-être, ouais, pour utiliser ce carreau de Capitao. On va forcer le drop. On va forcer l'insertion, surtout pour Kiwi, on va se débarrasser dessus, on va plante, mais attention, on a busy avec son C4 et TMC qui est revenu par derrière. Et les Gen Z qui remontent petit à petit. Ouais, comme tu l'as dit, on a des défenses assez convaincantes, et puis tout simplement, on vient conclure. On a tout simplement, on garde l'avantage numérique, et puis on déroule. Ce qui leur permet de mettre 4 rounds, surtout mettre 2 rounds de défense. Et du côté, il y a Icebeast
des Ice Beast, pardon, on n'arrive pas à conclure. Et attention à ça, parce que ça pourrait coûter ses huitièmes de finale. Et on va repartir du côté de la Kids. Du côté des Gen Z. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas pris de Frost. Donc, attention. Attention, ouais. Attention. J'espère qu'on arrivera à sanctionner. Pour ainsi mettre le cinquième round. C'est vrai que la Frost a été tellement impactante sur ce dernier round. On va pas passer deux fois par contre. On va reprendre la Valkyrie pour Chambon, TMTC qui va passer sur... On va reprendre sa Melusi. Melusi, lui qui va partir sur Thunderbird. On va reproposer plus ou moins le même setup. À voir comment on va réussir à agencer sa défense, comment on va empêcher les attaquants de prendre le contrôle de map et le contrôle de la Master Trophy. C'est tellement, on va dire, tellement efficace totalement. Parce que tout simplement, totalement, on va changer de type d'attaque. Allez. Insertion. Totalement, on a deux joueurs. Côté bout du monde, c'est Tal Green. Et Snoopy. Attention aussi à Chambon, à la balade avec son Valkyrie. Un Chambon qui va être repéré. À l'instant même par ses drones. On va chercher le Mulejammer pour Denis. Oui, tout simplement, on va s'approcher de l'ouverture du T1. On a Soyo, toujours sur la même position. Attention aux grenades qui pourraient faire la différence. Et on va aller mettre du Greenlock pour empêcher le retour. Ouais, Sio. Dans les deux dernières minutes de jeu du round. Sio, dans son attique, va être mis sous grosse pression. On aura le double jeu avec Blizzy. On va bien réussir son double jeu. Et Sio, lui, cette fois-ci, il va aller drop intelligemment. Et va peut-être aussi jouer de son C4 pour la verticalité. Est-ce qu'on a quelqu'un aussi pour l'attendre en dessous? Oh, dommage le C4. Dommage le C4 qui a été complètement choc. Là, on est resté à bridge pour Kiwi. On va s'assurer pour Denis. Oh, et TMTC qui va suragresser, qui va mettre un pas mal de dégâts. Suyo qui va faire tomber Denis. Blizzy qui va faire tomber Snoopy. Kiwi sur Blizzy. 4v3, avantage numérique. Pour les Français. Dalerine, encore des en kids. Pour couper aussi. Ah, tout le BP en deux. Attention, elle a remonté. C'est Chambon, il me semble, qui a remonté. On a Arcos aussi, dans la même position. Ouais, compliqué. On a du mal cette fois-ci pour les Allemands à trouver les Gen Z. Ok, oui, par contre, pourquoi pas. Il fallait s'insérer. TMTC qui va faire tomber Panique. Oh, le C4 qui va faire tomber Kiwi. Non, on arrive à s'en sortir avec un peu de chance. Hotel Green, on a été entendu. On va essayer de pêcher avec son dernier mate en vie. Ouais, justement, Chambon pour aller le chercher. 1v4 pour Kiwi à négocier pour aller remporter ce match. Et. Ouais, pratiquement impossible à faire. On a aucune information. Et Suyo, tout simplement, pour aller le récupérer. 6 à 5. Et ouais, les Gen Z qui nous font une grosse remontada sur Oregon. Les défenses qui passent. Les défenses qui passent, tout simplement. Et côté Ice Beast. On est clairement dans le doute. Ouais, comme tu l'as dit, les défenses qui ont l'air d'être favorables. Et on vient tout simplement punir, conclure. Et on n'a pas dit son dernier mot du côté des Gen Z. Et on va repartir sur une défense Laundry Room et Subli Room. Avec un Warden. Ouais, le Warden peut-être pour contrer. Le Capitao. Oui. Et potentiel flash aussi par la même occasion. Mais là où tout à l'heure, côté Gen Z à l'attaque, on changeait, on jouait avec du Maverick, puis on lâchait le Maverick pour de la Ibana, on a sorti aussi à Montagne. Là, côté allemand, on propose la même attaque, une nouvelle fois, une troisième fois même. Et on se fait complètement contrer. Petite erreur, on n'a pas joué une seule fois la tick. Côté allemand, on force vraiment sur la Master
sur la prise de la Master Trophy et un joueur juste pour couper les rotations en grande fenêtre ou en Rappel Kids, mais personne pour jouer l'Attic. Suyo, lui, qui peut back tranquillement. Ouais, on manque peut-être un peu de variété. Pour les Allemands, côté Gen Z, on aime bien changer des petites choses. Justement, là, Bluzy. Est-ce qu'on n'a pas spawn kill pour Bluzy? En tout cas, personne qui a spawn changé. Peut-être côté main. Je sais pas si quelqu'un avait spawn de ce côté. Non, on va faire un contrôle anti-roaming. Et contrôle map. Attention. Pour les Allemands. Oui, on a tenté un spawn kill du côté de Bluzy, mais on a très vite compris que ça n'avait pas spawn par là. Et on va avoir un contrôle, ouais, du côté de la petite tour. Et de la... Et du dortoir, Snoopy, qui va s'insérer assez rapidement. Et on a inséré du côté de Snoopy. Est-ce qu'on va peut-être avoir le premier duel? Et non. Côté de la défense, on ne s'occupe pas trop de ce top. Ouais, et on est sur une défense, ouais, assez turtle, à part un Blizzy qui est en grande tour. Qui va essayer de se cacher pour aller chercher des packs. Là, mine de rien, le bon Jackal, il fait un peu mal parce que on peut gagner un maximum de temps sur cette prise de position si on, si on a un Jackal. Oh, attention à Denis, par contre. Parce qu'on a un Chambon. Agressif dans son escape blanc. Chambon, ouais, il va décrocher une très belle tête sur Denis. On va prendre un tri derrière la revenge qui ne passera pas. Et on va rester agressif. Pour le Wamai français, on est clairement en confiance, on a pris de l'ascendant on va dire sur le mental. Et on n'y est plus. Pour les Allemands, on a du mal à concrétiser derrière. Panique par contre pour se débarrasser de Chambon. Blizzy, toujours agressif dans son escatour qui va revenir. Blizzy. Ouais, il va revenir. Oh sneaky. Et il est vu par un drone, il me semble. Attention. Ouais, clairement vu. Prefire qui ont été lancés. Et on va se montrer la belle tête ouais, de Blizzy qui va aller récupérer Talgren un peu gratuitement. On va rester à ses Skype. On va rester à ses Skype. Les caméras aussi. Qui ont été hack. Oh, et Kiwi. Kiwi qui va tomber sous le C4 tank qui a été détruit en plein vol. Mais on prend l'avantage numérique. Attention, par contre, on s'insère pour Snoopy et Panic. On s'insère côté Landry. Ah, première grenade qui va t'envoyer un peu au bonheur la chance. Connecteront pas. On est quand même bien en position aussi pour. Voilà, ce beast. Attention à Kiwi. Kiwi, Blizzy qui va faire tomber Snoopy. On a joué en coin P, il me semble, ça recosse pas du tout. C'est Suyo. Suyo en coin P de ce basement et son smoke qui aura fort à faire. Ouais, Kiwi. Kiwi dans son freezer qui va être repéré par Suyo à l'instant même. Oh, on n'arrive pas à prendre le kill. TMT, c'est pour aller le faire tomber derrière Blizzy. Pas à dérouler sur Panic. On est en overtime. Sur Oregon. 6 à 6. Ouais, les Français de chez Gen Z qui ont clairement pris l'ascendant psychologique. Une remontée des enfers, hein. Ouais. Grosse remontée d'un. 6-1 à 6-6. Le plus dur reste à faire. Et on part sur deux rounds d'overtime minimum. Ouais. Et là, côté allemand, j'ai pas envie d'être dans leur vocal. Parce que c'est. Ouais, ça doit être compliqué. Ouais. Mais attention quand même, on repart en défense. Peut-être qu'on va reprendre un petit peu de confiance en soi. Attendons de voir ça. En tout cas, il le faut. On va aller chercher la Master Kids. Avec le même setup une nouvelle fois. Hein. La Libby, le Guyo, le Wamai, pour Denis. On va refaire les mêmes. Les mêmes Vulcano en Master et en. Dans cette petite buanderie. On sait que. Regarde du côté de Chambon, on va chercher le montagne. Ouais, le montagne qui avait permis justement la prise rapide du trophée. Derrière, on avait manqué pour l'exécution pour aller chercher des erreurs. Pourquoi pas sur site. Le montagne peut être intéressant si on a pourquoi pas un joueur en rappel kids ou en grande fenêtre pour aller récupérer toi, les joueurs qui vont déloger le trophée gaming et qui vont aller stunner le top escablant. Oula kids. Switch sur montagne et on va finalement garder cette figure. On va aller jouer plus côté chambre. On aurait pu peut-être essayer de faire une plante assez rapide au niveau de la grande fenêtre. Ça ne sera pas le cas. Direction l'arborerie pour Blizzy. Même garage par contre. Du côté de Soyo, ouais. Du côté de Soyo et TMTC, on va aller jouer le grand tour.
Attention à Snoopy qui est dans le coin. On est aussi Talirine à la balade côté bout du monde. Il va se faire oublier de ce côté. Snoopy, par contre, lui, s'il n'est pas repéré, il pourra faire mal. Et on va attendre. On va attendre que MTC peut gagner un drone. Non, quoique, on a juste passé une clé mort. On laisse encore des. Ah, et Blizzy. Qui vient d'être repéré. Passé. Proximité à l'arme. C'était celle de Denis. On va aller s'attaquer à la Master et la prise du trophée par la même occasion. Pour les Gen Z. Ouais. Ah, par contre, Snoopy. Snoopy, clairement pas opéré. Oh. Ouais, le code qui va passer, tout simplement. Sur Chambon qui était sur ses drones. On n'avait pas repéré ce joueur qui était en meeting et il se balade un peu trop facilement. Personne pour aller le sanctionner. C'est dommage, on perd une Finca et des déconnades par la même occasion. Le travers tenté. Ouais, Blizzy, voilà, qui va aller chercher. Snoopy, elle sanctionnée, on retrouve l'égalité numérique, 4v4. La tick a été ouverte pour Suyo. Et oui, il va être mis sous grosse pression avec son smoke. Ouais, derrière Denis qui va se débarrasser d'Arcos. Qui s'est inséré un peu trop facilement dans ce trophée. On reste agressif au contact de ce trophée. On aura un deuxième duel. Non, on n'a pas assez à le voir. Arcos qui est tombé aussi avec le désamorceur. Ouais, Denis qui est clairement repéré, contact, on va mettre un beau préféré. Non, Blizzy qui va aller décrocher une belle tête d'un Kiwi. Dans son attaque, qui va être mis sous grosse pression, ça va être Suyo qui va aller s'en charger. Oh, et ouais, beaucoup de shotgun de Kiwi, nouvelle fois pour faire tomber Suyo. On a du mal à prendre cette attaque. Kiwi qui va mettre une très belle tête sur TMTC, on reprend l'avantage numérique pour les S-Beast. Et ainsi que Blizzy, 1v3, 30 secondes de la fin. Et on doit récupérer en plus le désamorceur par la même occasion. On s'attend à une agression de Kiwi dans son attique. Et ça va être compliqué, on est très low HP pour Blizzy. Bien tenu, les Vulcano en plus qui partent, les C4 qui détonnent aussi. Un peu de smoke par contre pour Kiwi pour plus tempo. Mais là, ça va être mission impossible. On va juste chercher à soigner les stats. Et Kiwi, monstrueux sur son smoke, qui va aller en terminer sur Blizzy. Et là, les Asbis qui vont remporter une première manche en overtime, qui vont potentiellement retrouver la confiance. Oui, bah, sûrement, mais je crois qu'on est sur une map ce soir sur Oregon où on a. Je pense qu'on a que deux attaques ou une attaque qui est passée. Et on a une map qui joue essentiellement sur la défense. Donc attention pour les Gen Z. Parce que à ce petit jeu là, ce sont les Ice Beast qui risquent de mettre le round et la map. Et on va partir du côté du basement, du côté des Gen Z. Défense assez classique. Comme ils ont pu le faire juste avant. On va essayer d'aller chercher quelques kills du côté de Chambon dans cet escafraiseur. Ouais, on a regardé aussi le Warden pour Blizzy. Qui avait bien fonctionné tout à l'heure. Est-ce qu'on va se faire un contrôle map une nouvelle fois pour l'Ice Beast? Ou peut-être on a bien compris comment ça allait défendre pour les Français. Et on va aller directement prendre... d'assaut rapidement les escas. Attention à Blizzy. Blizzy qui va nous faire peut-être un petit spot kill. Non, il est repéré. Pas un drone. Il est repéré. Il était où le drone? Le drone qui était. Je sais pas si on l'a détruit. Bon, Blizzy. Ouais, du coup, ouais. Côté allemand, on a bien compris qu'on allait être turtle sur site. On peut aller s'attaquer le garage pour panique en tout cas. Toute rotation potentielle, son arômeur en meeting, et on va aller s'attaquer la tower pour Snoopy et Saoza. Il me semble qu'on a Chambon qui est remonté en escablant. Ouais, Chambon qui est remonté, qui va te droner. Oh, panique, ouais. Flash qui va partir. Oh, Chambon qui est complètement flash, qui va retourner sagement dans son escafriseur. Les Airjab qui va être placé aussi par la même occasion pour Denis. Enfin, une classique tout simplement.
On laisse beast. Ouais. Oh le C4. Oh le C4. Ouais. On a fait deux fois la même chose pour Snoopy à placer ce shield. En esca. En esca tour. Il nous avait bien gêné. Cette fois-ci, on s'est bien adapté pour Blizzy. Bien adapté, Denis. Pour reprendre la position, mais on a perdu un joueur. Il est plus en forme. Arcos qui a lâché sa poche chez Clou. Attention à Kiwi. Attention à Kiwi aussi qui va être mis sous grosse pression. On a le shield des amorceurs assez loin. On s'était fait avoir tout à l'heure dans cette position. On a l'information qu'Arcos est bloqué dans son bleu. 1 minute 10 même. Ouais. On entre dans les dernières phases de ce round. Et toi, si on suit du côté de Kiwi, on arrive à prendre ce kill très important. Arcos qui va tomber. Arcos va tomber. Il sera pas pris. Ouais, la revenge ne sera pas prise derrière Chambon pour faire tomber panique. Toujours avantage numérique pour les Gen Z. Chambon qui a repris justement cette escatour qui va bloquer. On va dire cette attaque. Qui va couper cette attaque en deux. Talgreen qui sera forcé soit à prendre l'escatour, soit à push par cette trappe Elec. Ouais, compliqué pour les Allemands sur cette attaque. Mais on va forcer dans le bleu justement qui va faire un premier kill. Kiwi. Inculé dans ce bleu qui va mettre quelques dégâts ouais, sur Suyo. Monsieur qui va aller justement terminer. Il reste plus que Talgreen 1v4. Et Valérie Tech, cette escature, il va tomber sous les balles de Chambon. On ira au bout de bout sur cet Oregon. On ira au bout de bout, 7 à 7. Qui l'aurait cru, une remontada pour. Sur ce BO3. Ouais, pour les Gen Z. Plus après le 6-1. Franchement, je pensais qu'on allait passer très rapidement sur le clubhouse. Et non. Côté Gen Z, on va rien lâcher. Dernier round. Ouais, c'est la dernière DDR là. Dernier round à coup sûr. Est-ce qu'on sera avantagé défense sur ce dernier round? On peut voir ça. Attackers need to locate and defuse bombs. On est sur la dernière DDR et on va partir comme tu l'as dit au basement. On laisse boost et là, on va changer de quelque chose pour les Allemands. On va lâcher son setup étendu avec le Castle, la Thunderbird notamment. On va chercher une nouvelle fois le Goyo. On aime bien le sortir le Goyo pour Denis. Et en général, le laisse boost sur l'ensemble de cette rencontre. Le bandit aussi qui va être sorti des modes de Talgreen. Est-ce qu'on voudra aussi lâcher ce bleu pour aller potentiellement bandit trick? Ce mur fond bleu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, attention, on a des joueurs à la balade. On a même deux joueurs à la balade entre Talgreen et Panic et même Snoopy en top tower. Et là, faudra prendre clairement l'information pour la Gen Z. On a sorti également la Ouza et on va peut-être faire un push. On va faire un push. Oh, et là, faudra passer sur Kiwi. Ça va peut-être. Ça va peut-être y aller, ça va peut-être déclencher. En tout cas, on va faire tomber premier barbelé, premier stuff qui vont tomber. Avec ce Flores. Ouais, le bon drone de Flores qui va faire le travail. On va faire perdre le shield. On va renforcer du coup pour Kiwi. On a délogé le bleu très rapidement. Sincère, du coup, pour Blizzy. Mais attention. Attention, on n'a pas les scatours pour les Gen Z. On a Snoopy pour redescendre par la même occasion. Et Denis qui va rester agressif dans son pilier. Hein, qu'on manque peut-être un petit peu de contrôle du côté des Gen Z et justement on va se rediriger vers ses grandes tours. Attention Snoopy qui pourrait faire mal. Ouais, Snoopy qui peut faire mal, il va droner, il va choisir l'agressivité, il va pas aller justement back, quoique. Voilà. On va se lancer, on va se montrer agressif. Derrière Denis, ouais, qui va faire tomber Denis. Blizzy plutôt. On prend l'avantage numérique par contre pour les Allemands. Oh Snoopy. Duel compliqué avec TMTC. On va tomber par la.
par ce Flores, 4v4, égalité numérique, Denis très low HP sur site. Il me semble qu'on a aussi Chambon qui descend en voie et Skamane qui pourra aller potentiellement attaquer dans le dos. Ah, il va s'annoncer Chambon, il va s'annoncer, attention Kiwi, il faudra être solide aussi avec son smoke. Très tendu cette fin de round. Et potentiellement balle de match Kiwi, TMCC qui va faire tomber Denis, on reprend l'avantage numérique. Pour GenZ, oui. Pour, ouais, pour les GenZ. Attention parce que 4v3, on va rentrer dans les 45 dernières secondes. Ouais, 4v3, on s'insère avec le pilier pour Arcos. Intelligent le jeu avec le bouclier en main. On va prendre le contrôle de l'autoroute là, Kiwi par contre pour faire tomber Chambon. C'est la pression dans le dos qui va tomber, on sera obligé d'y aller très frontal. Pour les Français, Talerine au contact. Ouais, Talerine au contact qui va tomber sous les balles de Suyo. Panique à vouloir prendre cette autoroute qui va tomber sous les balles de TMTC. Il reste plus que Kiwi, 1v3 qui va faire un premier kill sur TMTC. Kiwi, deuxième fois au shotgun, pourquoi pas, il va faire tomber, ouais, il va réussir à faire tomber Arcos. Et on a plein de pour Suyo. On a plein de pour Suyo, 1v1 sur ce dernier round. Un T1 kill pour Kiwi, attention, est-ce qu'on peut aller chercher le 22e kill? On est en duel avec Suyo, on va rester 30 secondes de plante. On n'a pas du tout l'information sur cette Ibana qui est cachée derrière le mur. Et attention, c'est le mur qui est Et attention, Shogun, attention, c'est le mur qui peut être travers. On joue au chalet à souris, c'est très bien joué. On l'entend, on s'en doute, et Suyo pour en terminer sur ce match au bout du bout. On a fait une sacrée remontada pour les Français. Et finalement, on va s'imposer 8-7. 8-7, mais qui l'aurait cru? 6-1, into 8-7. On va chercher une petite interview côté GenZ. Hop, ah, pop, pop, pop. Et ça aura été le seul round d'attaque du côté des GenZ. Ouais. C'est ça, hop. Ouais, 8-7 sur Aigon. On va chercher potentiellement une interview. Je vais demander à un des joueurs qui m'invite, un ami, qu'on puisse l'ajouter au call. Vite à 7. Oh, je me suis trompé, clairement, sur le round de la Gémie. Discourse. Hop, voilà. Victoire 2-0. Pour les GenZ. Quel match, quand même. On a une première carte Sky, quand même, assez solide. Pour les GenZ, derrière. Mais un meilleur contrôle. Tout ça a été vu, mais après... On a eu un gros retournement de situation, on a perdu les moyens du côté des Allemands. On est tout simplement venu sanctionner sans perdre le mental. Hop, ouais, on a des joueurs qui vont arriver, tout simplement. On va ajouter... Oh, Raphaël, je sais pas du tout qui c'est. On a Rico, le coach. Qui était... Rico, c'était Blizzy, il me semble. On va les ajouter à l'appel, ils vont arriver incessamment sous peu. Allô. Bonsoir, allô. Bonsoir. Comment allez-vous, jeunes gens, ouais, après cette victoire? Bah nickel, en tout cas match très serré. Victoire 7-2 sur Sky et 8-7 du coup sur Oregon. Quelle remontada, j'ai envie de dire. Ouais, merci. Qu'on a un peu galéré sur Oregon, mais bon, ça s'est bien goupillé à la fin. J'ai vachement eu chaud, moi, personnellement, donc j'ai encore les mains moites d'ailleurs. Mais franchement, un très bon match. J'ai vraiment apprécié jouer contre eux. Bien tendu, la deuxième map, et franchement, dernier ça faisait longtemps que j'avais pas joué, et ça fait du bien. Ça fait du bien de ouf. Et en tout cas, GG à eux. Ouais, bien joué. Pas vous mentir que la remontada, on n'y croyait pas. Hein. Dans notre vocal, c'était un peu brouillon, c'était spécial.
Après un bon petit focus, on a remonté quoi. Donc, honnêtement, en plus avec le push, avec le blitz et tout à 3-0, je suis bon. Ouais. Je crois qu'ils ont envie vraiment d'aller sur club. Et au final, c'était. Non, non. En vrai, c'était. C'est moi qui ai proposé cette idée. Et je l'ai vraiment proposé parce que, genre, on a vu qu'ils faisaient. Ils extendaient le meeting et beaucoup le top, il me semble. Comment ça s'appelle au-dessus du meeting, la tic. Et du coup, je me suis dit, mais un rush main en fait, Blitz Lyon à l'ancienne, ça y a grave moyen que ça passe. Dommage, c'est pas passé. Bon, c'était assez close quand même, mais c'est pas passé. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que. Du coup, bah, comme vous l'avez dit, vous y croyez limite plus. Au final, c'est peut-être ça la clé de la réussite. C'est jouer complètement libéré en se disant, c'est. Chaque round, c'est peut-être le dernier, mais on s'en fout, on va y aller, on va tenter des choses. Et au final, c'est passé, on a repris l'ascendant au terme psychologique sur les Allemands. Et on a enchaîné les défenses une après une pour aller chercher justement le 6-6. Et le 6-6, on termine sur une attaque, ça s'est joué au bout du bout, sur un 1v1 des amorceurs plantés. Ouais, plantés. Mm. Ah, faut pas être cardiaque, les gars. Non, c'était... Le dernier round était assez compliqué, il n'y avait personne qui parlait dans le vocal. C'était très très mort, ouais. Et franchement, bon, ça fait un plaisir, et puis on verra les prochains matchs comment ça va donner, mais bon, avec l'entraînement qu'on a, etc. On travaille bien, et on est plutôt satisfait de ce qui se passe, etc. On a eu des gros changements au niveau de nos joueurs, donc bon, c'est assez compliqué. Mais on arrive à s'adapter et puis on donne le maximum de nous, hein, tout simplement. On peut pas... On va surpasser pour les prochains matchs et puis on verra ce que ça donnera. Hein. Je me doute. Est-ce que tu as une petite question du coup, Sony, à leur poser? Non, pas spécialement. Tu as posé la question que je voulais poser. Romain Pada. Ouais. Non, beau match. On a eu un beau match. Si peut-être... Skyscraper, c'est une map que vous maîtrisez bien. Alors, on va vous expliquer comment dire, comment ça s'est passé. En fait, si vous voulez, on a Sua, donc le capitaine, donc, en gros, qui fait les maps ban. Il a cru que c'était encore la phase de ban de map, en fait. Il a cliqué sur Sky pour ban la map. Mais bon, c'était un choix. Du coup, c'était un pic. on est parti clairement, mais en roue libre, en fait, dessus. C'était vraiment... sans strat, sans rien, pas de call map, full impro, et puis ben, on s'est adapté avec ce qu'on voyait en ranked. Ah oui. On a vraiment prac une fois, et c'est tout. Du coup, on va la prac plus, ouais, je pense. Mais au final, honnêtement, j'ai trouvé quand même un jeu très cohérent sur Sky. Bah, sur les attaques à l'image de Villa, il me semble que vous attaquez aussi pas en dessous avec du jeu de la grenade. Ouais. Quand je pense, par exemple, à l'attaque... c'est celle d'Expo et Office. On va jouer de la grenade pour déloger cette VIP pour après prendre position cette zone au lieu d'attaquer directement le terrain, le mur Office d'entrée de jeu. Intéressant comme plan de jeu. Après, pareil, sur les défenses, on a vu pas mal de crossfire. Je pense à la défense T-Room quand les Allemands ils se cassent les dents sur l'attaque par l'Office. Justement, ils arrivent même pas à rentrer dans la salle tambour. En dragon, il me semble que c'était Suyo ou TMTC, je sais plus qui, mais qui était ultra agressif. Je crois que c'était TMTC et Suyo qui était avec son cahier dans un tambour. Mais ouais, c'était avec des très gros crossfire sur cette défense. Honnêtement, je pensais que c'était un truc vraiment préparé. Du tout, non. Après, on s'est adapté avec des cross, etc. au niveau des calls. Enfin, on sait call qui prend quoi, etc. Et vu qu'on connaît la map, on s'est adapté au mieux possible. Et puis, ça a donné ce que ça a donné, quoi, tout simplement. Ça marche. Mais en tout cas, prochain match, on va vous retrouver face à qui on va checker ça. Je remonte un peu le bracket aussi à l'écran par la même occasion. Vu que vous avez terminé deuxième, vous êtes arrivé en 8e de finale. Du coup, vous allez affronter... le premier du groupe A, me semble-t-il. Et ouais, le premier du groupe A, c'est les Fox Up eSport Black. Comment vous allez, du coup, vous sentir ou comment vous allez préparer, justement, face à cette équipe? Est-ce que vous avez potentiellement anti-strat déjà ou pas du tout? Du point de vue général, non. Donc, on a un planning. Nous, on a fait en sorte de faire un planning d'entraînement. Donc, dans le planning, on va incorporer des anti-strat justement. On va tous ensemble regarder leur match, comment eux ils jouent, comment ils attaquent,
s'ils sont plutôt agressifs ou non, ou si, enfin, essayer de cerner leur style de jeu et puis s'adapter au meilleur pour contrer leur jeu, tout simplement, et avoir un maximum de chances de notre côté. Et voilà quoi, essayer de faire le mieux possible, hein, comme on a pu essayer de faire là. Et puis voilà, tout simplement. Ça marche. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Sunny? Non, tout est bon pour moi. Impeccable. Bah, du coup, les gars, est-ce que vous avez une petite dédicace à faire aux personnes à remercier potentiellement sur le chat? Moi, j'ai quelque chose à dire, d'accord. Pour mon joueur qui a failli mourir, d'accord. Enfin, pour mon mate qui a failli mourir. À Suo, là, qui a fait du 1v1 et qui m'a dit « Oh, je tremble, les gars, j'en peux plus !» Grosse dédicace à toi, frérot, et bah, encore bien joué pour ce 1v1. Et puis, bah, bravo à tous mes mates, tout simplement. Yes, merci pour la win, boys. Et bravo à vous, déjà aussi pour le cast, merci. Et bravo à l'équipe d'en face, tout simplement. Et ouais. Puis, GL à tout le monde pour la suite. Ça marche, bah, merci à vous d'avoir proposé du beau jeu. En tout cas, ouais, merci à vous. On va suivre tout ça, l'évolution du playoff. Je vous souhaite, GL, bah, pour le prochain match, je sais pas si ça va être moi qui va casse ou pas. Tout dépend de mes dispos. Plus c'est cool, on a aussi Camio D6 qui vient cast en plus. On a un autre caster. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est H. Je sais plus. Qui cast aussi d'autres matchs. Et justement, on a des matchs qui sont en cours. Je vais checker ça après. En tout cas, les gars. Je vous remercie d'être passé après le match. Ça fait plaisir. Merci à vous. Je vous dis tout simplement good luck pour le prochain match. Je vous laisse quitter du coup, tout simplement le vocal, les gars. Ouais, pas de soucis. Bonne soirée. Ça marche. Bonne soirée. Soirée à vous. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais. Justement, on va faire un petit tour sur l'ensemble des matchs. Et on a l'autre match. De 8e de finale, c'est Yokai face à Tier Esports, qui est juste en dessous de celui-là. Ça se joue entre Yokai et Tier, et je sais pas si ça a été terminé. Non, apparemment, le match vient de commencer, on joue sur Theme Park. Ouais, le match vient de commencer 2-0 pour Tier Esports. Derrière, on a qui? On a un autre match qui cast. Par contre, je crois que c'est de la Major pour Zyron. Je vais checker ça. Donc c'est Camio qui cast, côté Camio. On est sur du Major et c'est Yod face à Westpel et côté Zyron. Pour le Major, j'ai pas le... La stat qui va avec. C'est MX Black contre Hypotis. Ouais, face à Hypotis 1-0 du coup pour MX. Du coup, bah, je vais tout simplement vous rediriger vers Camio, les gars. Nous, on va se quitter là-dessus. Merci à vous d'être passé sur le chat, ça fait plaisir. Merci à toi aussi, Sony, de m'avoir accompagné sur ce match. Et on va se quitter là-dessus. Je laisse le dernier mot, du coup, mon cher Sony. Et bah, je n'avais pas spécialement de petits mots, mais merci de lui dire nombreux pour Epsi. Et merci d'avoir assisté au cast, on se retrouve bientôt. On castera la finale. Non, je sais pas, mais... Bon, on verra. On se reverra bientôt sur un cast. Puis que du plaisir. Puis à bientôt. Allez, je vous fais des bisous. Je vous laisse sur la vue de la victoire.